Oui, c'est bon. Voilà. Bienvenue pour la 51e partie de Cops. Aujourd'hui, un sale meurtre. C'est très raciste envers les meurtres, je trouve. T'en connais beaucoup des propres? Ouais. Ah, écoute, hein, c'est un petit côté allemand, ça. Hein. Aujourd'hui, alors, on va le faire autrement. Aujourd'hui, Denis va peut-être mourir. Ouais. Ah. Il était temps. Ou pas. Donc... Ah bah, il faut trouver un dégangueur chimpanzé, hein. Ça va le faire. Hein. Ou 2-3 militaires ouais, avec des lance-roquettes. Il doit bien avoir des gangueurs qui ont comme totem un singe. Ah, je pense que son arme némésis, ça va être le fusil à pompe. Tu m'étonnes. Ouais, non, mais j'en ai plein de pieds, quoi, du fusil à pompe. Bref. Techniquement, non. Alors, ça dépend. Si tu veux, il y a le SWAT qui a de très très bonnes balles Juste erratum par rapport à la dernière fois. Donc vous commencez votre ronde à 7h, vous finissez à 15h, 7-15 pour cette semaine. Le roll call a eu lieu à 8h et on vous envoie sur place quasiment à peu près. Ouais, bah en fait. Vu que le crime a eu lieu à vers 8h du matin, donc vous arrivez sur place à 10h. Donc je rappelle la dernière fois ce qui a été dit, hein, à savoir que il y a eu un meurtre de policier et qu'on vous envoie avec un truand et on vous envoie enquêter sur le truc. Et normalement ça devrait être le SAD, mais en fait bah non. Parce qu'on a peur que le SAD fasse de la merde dans le... à Little Italy, parce qu'il y a des soupçons de corruption peut-être sur le policier, ou voire même sur le commissariat entier. Et vous avez toute l'attitude pour enquêter sur tout ça. Et vous avez qu'une seule semaine, au bout d'une semaine, on refile le bébé au SAD, si vous n'avez rien trouvé, ou si vous avez rien de probant, parce que vous êtes trop mauvais. Grosso modo, on va s'amuser à jouer au SAD, quoi. Hein ? Grosso modo, on va s'amuser à jouer au SAD. Alors, oui et non, c'est-à-dire que tu n'es pas du SAD, tu vas avoir une partie des attributions qu'a le SAD actuel normalement. Maintenant, à toi de jouer intelligemment pour pas que tous les flics du commissariat te voient comme le SAD, hein, parce que tu n'es pas le SAD justement. Ok. Mais qu'est-ce que je veux dire, on peut pas faire juste une semaine tranquille dans le commissariat là-bas, on refile le bébé au SAD à la fin de la semaine et puis on est peinard. Ah, tu fais ce que tu veux, moi je m'en fous. Moi je veux. Mais si tu fais ça, ça va devenir ultra funky, hein. Oh la vache. Putain. Ah, fallait pas le dire, parce que moi j'ai bien envie de voir le truc devenir ultra funky maintenant. Ah, et je rappelle que vous devez donner un rapport quotidien et détaillé à votre supérieur. Hein. Ça avance. Ouais. Ouais, on est bah ouais, carrément, j'ai descendu la bureaucratie. Tu sais que tu devrais peut-être pas annoncer à des cops que t'as battu un bureaucrate. Bon, bah vous me dites quand vous êtes prêt, vous arrivez sur place peut-être. Prêt. Prêt aussi. Bon, petit rappel qui est avec qui pour les gens qui... J'aime pas l'escalade. Ouais, petit rappel, j'aime pas l'escalade. Ça c'est fait. Alors, bah qui est avec qui? Bah on est tout seul normalement. Non mais il y a deux voitures, vous êtes en binôme. Mais bah comme d'hab, les mêmes binômes quoi.
D'accord. Bah, oui. Moi, C'était pas moi pour moi, avec. hein, c'était pour les gens qui écoutent. C'est des fois que. Bah, je suppose que si on prend les binômes habituels, on a d'un côté Bah, Lynn et. alors déjà, on peut peut-être faire un petit résumé de l'épisode dernier parce que Vas-y. voilà. Et alors moi je me souviens que j'ai fini sur une enfin j'ai réussi à mon enquête de mec qui faisait des films chelous avec des gens chelous. Ça a T'étais à bien deux doigts failli d'y passer. tourner mal pour ma gueule, mais Guillermo était Ouais. là avec le SWAT. Après, on est allé intervenir pour récupérer un flic qui était en infiltré dans un truc de gangers. Voilà, ça. Ah, Denis t'es s'est con, pris un Ali. coup de fusil à pompe dans le pied. Grosso merdo. Ça a défouraillé dans tous les sens. J'ai fait un headshot, hein. J'étais pas le seul, mais j'en ai fait un. Et après, il y a eu d'autres trucs pour l'autre père là. Mais ah oui, on a coffré le couple qui avait Le manigancé couple le de meurtre meurtriers, ouais. de Harvey. leur oncle. Ouais, Sur ce voilà. coup-là, parce que j'ai regardé une fois que l'affaire était résolue, on a été quasiment aussi bon que Hercule Poirot. Tu l'as lu? J'ai commencé en fait. Mais c'est relativement court, il y a grand-chose, hein, c'est une petite nouvelle apparemment. Ouais, c'est une Quoi, vous nouvelle. prenez? Bah, le meurtre des Harvering, j'ai tapé l'histoire dans une nouvelle d'Hercule Poirot. Ah. Elle était consentante? J'ai pas posé la question. Il va y avoir Oh, des tu vas te prendre le lobby féministe végan dans la tête là. Après, Attends, j'aurais cité attends. le lobby à moustache vu qu'on parlait des Hercule Poirot. Le lobby féministe végan rôliste. Alors, ça va, ça a tué une ou Narrativiste. deux personnes. Ouais, mais elles seront vachement vindicatives pour le reste des gens. Elles vont être choquées. Choqué, déçu. Okidoki. Donc voilà où on en était. Et finalement, on a été convoqué par notre chef pour causer au juge Stanton du comité de réhabilitation de LA. Qui, grosso modo, nous a dit qu'on était mis sur une affaire de meurtre d'un officier de police et d'un mafieux découvert mort ensemble dans un Dans une. hôtel Ouais. Ouais. à Little Italy, sachant que le policier venait du commissariat de Little Italy. Qu'a priori, ils font traîner l'affaire une semaine avant de leur filer au SAD parce que ils pensent Non, 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 que. non, ils vont pas traîner l'affaire, ils vous la Oui. donnent. Oui, ils nous la donnent, mais C'est pas traîner, hein. Ils nous foutent dans la merde une semaine avant de refiler le paquet au SAD. À mon avis, vu notre ratio et vu ce que doit penser de nous Iron Man, ils nous la refilent pour traîner l'affaire. Mais. Ton, Pas votre ratio d'enquête, il est plutôt bon, hein. Oui, sauf qu'apparemment, ils nous Bah considèrent oui, mais comme on des n'a très pas. très bons enquêteurs, mais C'est pas le ratio qui aussi compte dans complètement les enquêtes, cons. c'est au ratio. Oui, c'est Oh la exactement ça. vache. Ça va être dur comme blague. Chrome, j'ai un mot Et du médecin, apparemment je je mets mes serais en train lunettes. de faire. Et l'autre Comment truc, de dire, toute un façon, c'est que anévrisme vous n'avez pas cérébral, posé je la vais pas question pouvoir pourquoi rester. vous ne filez pas directement le bébé au SAD. Hein, Ah bah, je suppose que si. Ah bah, vous l'avez pas posé la question. Non, non, mais Attends, moi AFK. je suppose clairement que ils doivent soupçonner qu'il y a anguille sous roche et Que c'est le sous mieux vaut gravillon? qu'on. Ouais, voire baleine sous gravillon. Et que mieux vaut qu'on trouve le truc et qu'on essaye d'arrondir les angles plutôt que balancer ça au Sam qui va faire péter le truc. Mais tant pis, vous avez pas Je posé la vois question, tout. vous avez pas posé la question. Je tiens juste Oh. à surligner. La dernière fois qu'on Tout à nous a fait. donné une mission comme ça foireuse, la réponse était posez pas de questions. Du coup, on s'est dit que ça devait être la même. Non, mais si vous n'êtes pas des enquêteurs, c'est Ah ouais. pas mon problème. Non, C'est mais pas moi j'ai pareil. cru qu'on allait encore devoir récupérer une meuf morte qui s'était réveillée, tu vois, donc. Bah ouais, c'est pour ça que moi je faisais encore, encore, Bah là, c'est encore. un flic mort, mais qui s'est pas réveillé. Enfin, cela dit, c'est peut-être pas mieux On peut que. peut-être Je le rappelle que réveiller, hein. l'ordre de mission spéciale qui vous est donné par Message votre cardiaque? capitaine, par le capitaine en charge qu'à remettre au capitaine en charge du commissariat de Little Italy, qui stipule que vous êtes détaché à titre exceptionnel pour la semaine sur Little Italy, c'est-à-dire que votre bureau pour la semaine est à Little Italy pour enquêter Les sur une recrues enquête sont. interne et sur un double homicide. Alors deux Mais enquêtes.
Mais du coup, ce que je comprends pas, c'est pourquoi on nous envoie nous sur cette affaire et on met au courant le chef du commissariat local. Mais parce que de toute façon, même si c'était le SAD, ils seraient mis au courant. Mais s'ils sont tous corrompus, du coup, ils sont de tous base, au courant. En fait, de base, une enquête du SAD, une enquête du SAD, le SAD est obligé de te signifier qu'il y a une enquête sur toi. Ils sont pas obligés de te dire le motif de l'enquête, mais dès que t'as une enquête sur la gueule, ils sont obligés de te le notifier. Oui. Et là, nous, on n'est pas obligé, c'est ça? Hein? Ah, si, si, et nous, on n'est pas obligé. Ah si, si, mais si, parce que vous avez le. Sinon, vous pourrez pas enquêter, hein, si vous y allez. Donc l'ordre, ça c'est l'ordre qu'il faut donner au truc, et donc c'est marqué sur l'ordre aussi que vous avez tout pouvoir d'investigation dans le commissariat, et l'ordre est signé du chef de la police himself. Firmani. Voilà. The wow. Big Boss. Et le lieutenant, je rappelle, vous a demandé un rapport quotidien. C'est un vrai drame ce machin. Sur les progrès de l'enquête. Et il vous demande d'aller directement sur les lieux du crime d'abord, avant de vous présenter au poste. Ouais, putain, c'est cool ça, parce qu'on va à l'Italie. Mais du coup, est-ce qu'à l'Italie, les machines est plus petite qu'en Italie tout court? Je sais pas, mais en tout cas, l'Italie est tellement. C'est ta faute de blague, Lobby, je fais un anévrisme depuis tout à l'heure, mes blagues sont forcément pourries. Non, peut-être ta faute. Moi, à l'Italie, je vais l'avoir mal, parce qu'ils aiment pas les hispaniques, hein. J'ai vu What's Une ellipse story. Temporelle plus tard, vous êtes arrivé? Ouais, grosso modo. Donc, l'endroit où s'est déroulé donc le double meurtre, quand vous arrivez, donc d'abord Little Italy, est-ce que je... Pour vous en faire une petite description... Est-ce qu'il y a une tour penchée? Non. Non, c'est pas Little... Donc Little Italy se trouve Little dans Pizzi. Downtown. Ouais. Mais à côté de Downtown, qui est, comment ça s'appelle, moderne, affairiste, tourné vers l'avenir avec des rues propres, des trottoirs remplis de consommateurs épanouis, des vitrines de mode, un éclairage design, des magnétismes, des immeubles d'affaires, voilà. Donc, Little Italy, c'est plutôt un vieux quartier qui a l'air assez épargné par le monde moderne. Clairement, vous avez l'impression de partir un siècle en arrière. Alors, bon, les voitures restent modernes, mais clairement, c'est vieux quartier, un peu à l'européenne, avec des petites ruelles, clairement... Alors, moi j'ai une question. Oui. Étant donné que l'Italie, tout ça, Cosa Nostra, silence, tout ça... Est-ce que quand t'arrives à l'Italie, les gens ferment leurs fenêtres et puis tout le monde arrête de parler pour regarder les 4 nouveaux cops qu'on en a foutre là? Alors, vous arrivez en bagnole, et non, les gens ne ferment pas leurs fenêtres. Et pour l'instant, vous allez surtout à comment s'appelle, directement au lieu de l'enquête. Et l'ambiance, après, globale du quartier, j'essaierai de la distiller au fur et à mesure. Je vais pas vous mettre toute l'ambiance dès le début, sinon ça serait un petit peu pourri. Mais sinon, il y a des pizzerias. Oui, il y a des pizzerias. Moi, je regarde dans les hôtels s'il y a des plantes vertes près des balcons. Moi, je croyais que tu voulais regarder dans Alors, les hôtels s'il n'y avait pas clairement, de clairement, des... au vu de la pollution en général de Los Angeles, s'il y a des plantes vertes, elles doivent être fausses. Hein, ça doit pas être des ça doit être des fausses plantes. Non, mais même derrière la vitre, tu vois. Oui, c'est le repère des tueurs à gages, tu vois. C'est le... Ah, d'accord. Ah, le bout de fusil entre deux plantes vertes, oui, tout à fait. Bah, non, mais les gars, vous avez jamais vu Léon? Ouais, c'est ce que je pensais, Exactement. Mais j'étais pas sûr. Mais oui, il y a des plantes vertes sur les bords des fenêtres. Et du coup, est-ce que les chambres d'hôtel sont fournies avec une tête de cheval découpée ou pas? Donc, pour revenir au double meurtre. Donc, l'endroit où s'est situé le double meurtre, vous arrivez devant un hôtel assez vieillot, mais en bon état. Minable ou standing comment? Un bon état, c'est-à-dire que ça a la tronche d'un hôtel de passe. Voilà, après, je te laisse imaginer la gueule que tu veux, mais clairement, c'est un hôtel de passe. Hein, c'est pas la gueule qu'il faut regarder dans un hôtel de passe. Hein, mais... Alors, dans la rue, quand vous arrivez, il y a beaucoup, beaucoup de bagnoles de flics. On est autour de la trentaine de voitures de flics. Hein. Ah oui, quand même. Oui. Ils vont saloper la scène. On appelle ça des flics ou des carabinieri ici? Va mourir. Ça va être dur, hein, ce scénario ce soir. Déjà on... Dieu, tu peux nous mettre un 10-18, hein, ça va aller, tu vois. On...
Non. On va se pointer et puis on va faire valoir nos papiers officiels pour dire qu'on arrive pour enquêter. Ouais. On a le nom du flic, au fait, ou pas? Bah moi, je vous ai donné les infos la dernière fois. Hein. Bah, a priori, est-ce moi, j'ai que pas... les j'ai infos juste ont été données police, donc, est-ce qu'il vous a dit qui c'était? Je ne crois pas. Non. Non. Bon. Vous avez pas de coïncidence? Je ne pense pas. Je me rappelle pas, non. Pas de nom pour l'instant. Donc on va juste se présenter en disant qu'on okay. vient pour... clairement, je le fais rapide. Hein, vous arrivez dans le hall de l'hôtel, c'est bondé de flics. Tous le regard un peu dans le vague, à dire « ça aurait pu être moi ». Enfin, clairement, les mecs, ils sont pas en bon état. Hein, ils font la gueule. J'ai encore une question débile. Est-ce que le fait qu'ils soient en train de se dire que ça aurait pu être eux, ça veut dire qu'ils sont tous corrompus et qu'ils se disent tous non, qu'ils devraient peut-être arrêter de faire? Non, ça veut dire qu'il y a un de leurs collègues qui est mort et que t'es un gros connard. Alors, Max, c'est pas la peine de la jouer psychologique de bac à sable en commençant à chanter si tu penses que t'es corrompu, tape dans tes mains, histoire de voir s'il y en a un qui tape dans ses mains, carrément. Tu le fais si pas. Si t'es quoi. Pote avec les mafieux, tape dans tes mains. Général, dans tous les cas, vous savez que c'est au deuxième et que vous devez jouer des coudes pour accéder à l'étage parce qu'il y a des flics partout. Ouais, bah, je pense qu'on va laisser Denis passer devant. Moi, je pense que je serais rentré en uniforme complet. Hein. Ah ouais, ok. Masque et tout, quoi. Ah ouais. On sait jamais. Masque sur le visage. Ouais. Non, mais moi, je passe de... Tu me diras pour moi, oui, vu qu'on est en dehors du truc, on va dire de la safe zone pour moi, je vais peut-être laisser mon masque aussi. Hein. Jamais. Hein. Peut-être des accointances entre les gangs mexicains et puis la mafia italienne. Donc, Ouais, je pense que s'il y a des accointances, ça relève plus du partenariat commercial temporaire. Hein. Ok, et les deux autres? Moi, j'hésite. Non, mais de toute façon, moi, je suis grillé avec ma carrure, donc résultat des courses, ça sert à rien. Bon, un gros bourrin baraqué, il y en a plein dans la police américaine. Oui, il y a Pitbull, il y a Sniper, c'est bon quoi. Ouais, ouais, mais Pitbull, lui, il fait 1m70. Je vais peut-être cacher ma cicatrice parce que du coup, ça c'est un peu grillé quoi. En règle générale, un flic avec une cicatrice en train de la gueule, t'en as pas 300? Ah ou? Ah ou? Cette partie va être très compliquée. Ah ouais, pour moi aussi, putain. Non mais, faut arrêter de prendre des bonnes soleils, les enfants, ça réussit pas, hein. Là, on a mangé au soleil à midi, c'était trop cool. Donc, je résume, il y en a deux qui ont mis leur masque, les deux autres, non. Mais vous êtes tous en armure de flic. J'enlève mon masque quand je rentre dans l'hôtel, tu vois, mais... Ok. Les flics font pas spécialement attention à vous, hein. Ils vous laissent passer, ils sont plus un peu franchement, t'as l'impression que ouais, ils doivent avoir à peu près la moitié du commissariat qu'elle a et ils sont tous en deuil quoi. En montant au premier. Bah c'est le padre qui est mort, tu vois. Ouais, c'est ça. T'as raison. J'ai une autre question. Ils sont en deuil pour la mort du flic ou pour la mort du mafieux? Ouais, c'est même pas qui c'est le gars qui est mort. Justement, mais bon. Voilà. Quand vous arrivez au premier, il y a un type. Il y a un couple de flics qui bloque un peu le passage. Et qui. Non mais, laisse-moi finir. Sérieusement, je vais être franc. Hein. C'est censé être une scène lourde, triste, et vous êtes relou. Et ça commence à sérieusement me gonfler là. Désolé. Dire, il y a la mort d'un flic, t'as la moitié de son commissariat qui est là et qui sont tous tristes, et vous êtes tous en train de se foutre de leur gueule. Putain, c'est relou pour moi. Hein. Bon, maintenant, donc comme je disais, t'as deux personnes qui sont abattues, qui bloquent le passage, parce que. Et il y en a. Comment ça s'appelle? T'en as. Et qui sont en train de. Qui sont prostrés, quoi. Qui sont en train de se. C'est pas chialer, mais pas. Et au bout du couloir, vous avez un espèce de géant noir qui bloque la porte là où il y a eu le crime, a priori, et qui empêche les gens d'entrer dans la pièce. Un flic, le géant noir. Ouais, un flic. Ben, on lui montre les plaques et on fait signe de rentrer sans dire mot, quoi, en fait. Il se présente déjà, Captain Simon, responsable du commissariat de l'Italie. Enchanté, capitaine. Nous sommes les cops détachés pour sur l'Italie cette semaine. Ok. Donc, je vous attendais.
Alors, j'ai tout fait pour que personne rentre, à l'exception du légiste et du... comment ça s'appelle ? Tac, attends. Hop. Et de l'équipe du labo qui, enfin non, même pas, ils sont à côté de lui, donc ils sont pas rentrés. J'attendais que vous soyez là pour les faire rentrer, même. Donc, personne n'a touché à quoi que ce soit dans la pièce avant votre arrivée. Qui a trouvé les corps ? Attendez, il vous dit que le seul témoin qu'ils aient trouvé à l'instant est Giorgio Machiati, le réceptionniste. Et il est actuellement au commissariat et on prend sa déposition. Sinon, il n'y a personne dans l'hôtel et c'est lui qui a appelé. Jet de psychologie, perception, difficulté 2 pour tout le monde. Alors, c'est parti. Par sérieusement que j'augmente ma psychologie. Et à l'exception de ça, personne dans l'hôtel n'a rien vu, n'a rien entendu. Oula! Oh là, t'es porcasse, Guillermo, hein. Ouais, et bah franchement, avec le score de psychologie que j'ai, je m'impressionne moi-même. Joli. Sur 9, t'as 0 en psychologie? Ouais. Et il manque le jet de... C'est moi. Max. C'est 9 quand... c'est 10 quand t'as pas les compétences, on est d'accord? Non, c'est 9. Non, c'est 9. 9? Oh, tout va bien. Alors, pour Guillermo, clairement, le capitaine qui est là, il essaie de montrer la meilleure volonté possible en montrant que son commissariat coopère. C'est l'impression qu'il te donne. Hein. Clairement, il essaie de tout faire pour que tout se passe bien. Moi, j'en suis certain, il cache des infos. Bon, déjà, je le remercie. C'est parfait. Juste à titre et pour toi, parce que au vu de la puissance du jet que t'as fait, clairement, si vous échouez dans la mission, il y a de fortes chances que le SAD lui impute la faute en fait. Si le SAD arrive derrière vous. Ce qui, en matière corollaire, veut dire que si on lui résout le truc, on va avoir un pote. Donc on a le nom de l'officier de police. Attends une seconde, je finis et je te donne les infos. Avant de pénétrer juste dans là, il y a une chose, donc il vous dit déjà que vous avez mon entière collaboration, celle de mes hommes, et s'il y a un souci, venez me voir. Je vais essayer d'évacuer tous les flics qui sont là et les ramener au boulot, et il y a de fortes chances qu'ils enquêtent eux aussi sur la mort du flic parce que c'est un collègue. Je peux pas être responsable de tout ce qu'ils vont faire. Vous pouvez nous donner le nom du collègue? Parce que pour l'instant, on n'a pas d'identité. Oui. Alors, Il était visiblement apprécié du commissariat, non? Oui. Donc, c'est Joseph Garrison, officier du LAPD. Je tic quand il dit officier du LAPD, parce que j'ai le souvenir d'un type du LAPD qui m'a fait chier. Mais... Tu fais partie du LAPD, hein, je te rappelle, et t'es aussi officier. Je sais, mais bon. C'est la métropolitaine ou c'est la crime gang locale? Alors, je l'ai pas sur les yeux, je vous le donnerai l'info après, dès que je l'aurai sous les yeux. Et est-ce que par hasard, on a l'identité de l'autre? Pas pour l'instant. Ok, donc l'autre, on va l'appeler John Doe. J'ai fait un super truc sur le main map. Je regarderai moi après. Donc il tourne les talons, il vous laisse sur la scène de crime avec le légiste, l'équipe scientifique, et il essaie de faire évacuer tous ses collègues pour vous laisser le champ libre. Je vais demander aux légistes et aux scientifiques s'ils peuvent nous donner quelques minutes avant de rentrer dans la scène où on voit la scène. C'est simple, il vous demande c'est qui le premier enquêteur, hein, comme ça... Ça leur permettra de savoir qui donne les ordres. C'est Max. Est-ce qu'il est d'accord? Je sais pas. Bah, on l'avait décidé la semaine dernière. Hein. Je l'ai écrit sur le mind map, on l'a décidé la semaine dernière. Hein. Il me semble que oui, Max avait été des... Enfin bon, c'est juste pour que... Il faut qu'il se remette de ses émotions. What? Ma première enquête, après mon retour, j'étais catapulté chef et j'ai pas dit non. Bah oui. Pourquoi j'ai comme l'impression que c'est du vent? Non, c'est pas du vent, au contraire, c'est pour remettre le pied à l'étrier.
Et on va éviter que ce soit moi en ce moment, je suis un peu... Bref, ouais. Un peu dans le collimateur. Oui, mais non. Non, c'est bien, mais pour l'instant, je suis super règle, c'est cool. Non, mais par contre, t'as... bien fait pour être chef. Non. Ça fait longtemps que t'as pas été chef. Bah hier, j'ai réglé une enquête, alors du coup... Si tu veux pas, Mac, je vais la prendre, hein, mais ça serait bien pour toi, sérieux. En plus, ça montrait non. que... J'ai assez de problèmes à régler comme ça, j'ai pas besoin de me rajouter des problèmes en plus, ça. Parce que tu crois que j'en ai pas des problèmes, moi. En fait, qui n'en a pas dans l'équipe? Bon, on va aller. En plus, t'as pas mal de temps libre pour Max. Quel temps libre? Faut que je m'occupe de mon gosse quand je paye pas la babysitter. Je ne suis pas à repousser une folle malade qui essaie d'avoir de coucher avec moi de force. Mais justement, perds-toi dans ton boulot. Je vais me déclarer comme l'officier, le premier officier, okay. Celui qui prend l'enquête. Ok. Je te décris la chambre, d'abord. C'est parti. Donc la chambre est très petite, propre, enfin, à une exception près. Elle ne compte pour tout mobilier qu'un lit, un bureau, une table de chevet, une armoire et une chaise. Il y a une salle de bain minuscule équipée de WC, d'un lavabo et d'une douche. Rien ne traîne. Au pied du lit, sur le dos, le cadavre de Joseph Garrison, donc, nage dans une mare de sang. Il a une bonne quarantaine d'années, il est assez athlétique, et il a une partie du visage emportée par une décharge de chevrotine. Dans l'angle de la pièce le plus éloigné de la porte, le corps de Lorenzo... Donc, je vais arrêter là. Le gars a un trou rouge au milieu du torse... Tu lui donnerais 45 ans, un début d'embonpoint, de calvitie, tout et il est assis à terre, les jambes écartées, dos au mur. Au-dessus de lui, sur le mur, une grande terrainée vermeille. Et maintenant, je te demande, j'aide des perceptions, scène de crime pour tout le monde, et puis après, instinct de flic, perception. Alors, et perception, perception ça, et connaissance, Cosa Nostra, éducation, tout ça. Wow. Boum alors, tout ça. Perception, scène de crime. À partir de quel, sur quel jet on utilise la mallette C'est perception, scène de crime. La difficulté est de 1, mais suivant la marge de réussite, il y a plein d'infos. Mais Guillermo, qu'est-ce qui t'arrive? Guillermo est en fire. C'est pas pour lui mal qu'il soit chef de l'enquête. Bon d'accord, je dois avouer que j'ai arrêté la tequila, je me suis mis à la coke. Guillermo, il faut qu'on parle. Bah, si tu veux, je vais faire d'abord les scènes de crime perception. Ça c'était scène de crime perception, okay. Justement. Oui. Pareil pour tout le monde, c'est bon. Moi aussi. Alors, oui. Ouais. Dans l'ordre, donc on va commencer, donc je vais commencer par les infos que tout le monde a jusqu'à les infos les plus croustillantes que Guillermo a remarqué et pas les... Si, Lynn aussi, parce que c'est la marge de réussite maximum à avoir, et plus 2. Et donc Lynn et Guillermo, même chose en fait. Donc, le tueur se tenait sans doute au niveau de la porte. Il a d'abord tué Garrison, qui, surpris, n'a pas dû esquisser un geste. L'autre personne au fond a sans doute essayé de parlementer avec le tueur en reculant dans l'angle, puis il a été tué. Ça devait être un fusil de chasse de gros calibre. Les cadavres n'ont pas été fouillés, visiblement. Garrison a tout son matos de flic et ses clés personnelles. Porte, voiture, clé de vestiaire de flic. L'autre personne n'est pas armée et n'a pas de portefeuille sur lui. Il a la clé, a priori, qui semble être la clé de la chambre, une toute petite clé aussi. Et ces deux clés sont... et les deux ont de l'argent sur eux. Donc c'était pas un vol. Voilà. Marge de réussite... Genre beaucoup d'argent ou juste normal? Non, juste leur argent qu'ils ont... Ouais, mais même si c'était 100 balles, mec, si c'était un braquage pour un fixe ou un truc comme ça, le mec, déjà, il aurait pas utilisé un fil à pompe, je pense. Donc, pas. Je surtout, continue. Il aurait pris la ouais, mais... Donc, marge de réussite plus 1. Donc, il n'y a pas de douille sur place. Le fusil devait être sans doute un double canon. Le tueur n'a laissé aucune trace de pas. Et or, vu la quantité de sang au sol, il n'aurait pas pu se déplacer auprès des cadavres sans marcher dedans. Le tueur n'a donc pratiquement pas bougé de la porte. Et il n'a pas donc touché au cadavre. Il a fracturé la porte. Non, la porte n'est pas fracturée.
Et justement, marge de réussite 2, il n'y a pas de trace d'effraction sur la porte. Soit elle était déjà ouverte, soit le tueur a utilisé un pass. Je vous demande un jet de médecine, perception, difficulté 1. Oh putain. Ben, médecine. Yeah. Hey, j'ai réussi. Hey, j'ai réussi. Hey, j'ai pas encore fait manger. Mais moi j'ai pas médecine. Hey, okay. J'ai réussi. Alors, vu le cône de dispersion, vu le cône de dispersion assez large, la chevautrine a laissé laissé par la chevautrine, les canons ont sans doute été le canon est sans doute scié, le canon du fusil. Voilà. Donc une petite arme du coup pour réduire sa taille. Bah, c'est Joss Randall. C'est Joss Randall, il faut qu'on regarde du côté des chasseurs de primes. Ok. Connaissance, Cosa Nostra, éducation. Oh putain, alors là. Difficulté 2. Ah ouais. Ah ouais, alors attention, là... attention, je vais émerveiller par mon jet. Hein. Pouh, j'ai réussi. Oh la pute. Voilà, j'ai émerveillé par mon jet. Alors, j'ai une question, est-ce que connaissance gang peut être utilisée ou pas? Non, parce que connaissance gang, c'est trop vague. D'accord. Et en plus, c'est pas un gang, c'est une mafia. Mais c'est bien sûr, j'ai entendu parler d'eux dans un journal de Mickey il y a 20 ans. Ah, toi aussi? Mais non, c'était le journal de Tintin, vous dites n'importe quoi. Ou alors Spirou. Tout le monde a fait? Ok. Donc, bah, pour Lynn, toi, tu connais. T'as quelques notions sur la Cosa Nostra, donc les mafias italiennes, et tu sais qu'une de ces mafias, les néo-corléanais, utilise toujours des fusils à canon de chasse, à canon de chasse scié, à canon scié. C'est leur arme de prédilection, en fait. D'accord. Clairement. Je propose qu'on fasse la recherche de tous les vitaux corléanais. Et dernier jet, instinct de flic, perception, difficulté 1. Alors là, c'est presque du vendu sur mesure. Pas pour tout le monde. Hein. Ouais. Instinct de flic, perception. Ouais. Réussi. La difficulté elle est à 1 et Ouf bon bah Guillermo quoi. Guillermo, pourquoi t'es devenu flic? Parce que sinon je réussis le jet tout court. Donc Garrison et l'autre personne présente devaient avoir une discussion très animée pour ne pas avoir entendu le tueur s'approcher et ouvrir la porte. D'accord. Et pour Guillermo qui a fait le meilleur jet, la petite clé détenue par le gars qui était là ressemble fort à une clé d'un attaché caisse. Ah. D'accord. Et il voilà tout ce que vous pouvez tirer de la scène de crime. Le reste étant pour le labo. Et vous aurez leurs fruits de leur recherche demain pour le labo. Ok, très bien. Mm-hmm. Moi, je propose de... je vais redescendre gentiment, mais sûrement... Ok, il y a un flic qui gueule dans le couloir. Il est ceinturé par ses collègues et il hurle « Salaud de Néo-Corléanais, j'enlève votre peau, salaud !» D'accord. Calmez-vous. Je pense qu'il faut que quelqu'un de compétent en psychologie aille lui parler. C'est un m'excuse d'office. Maintenant, tu peux envoyer Denis, il est compétent en psychologie. C'est-à-dire qu'un coup de poing, généralement, psychologiquement... Vous pourrez l'interroger au commissariat, hein, dans un cadre un peu moins tendu. Calmez-vous, officier. Bah, parce que je passe, à mon avis. Ok. Hein, parce que j'ai dit que tu peux noter son numéro de badge, si tu veux, hein, au passage. Je note son numéro de badge. Moi, une fois qu'on sort pour laisser la scientifique et les autres, et le labo, commencer à travailler dessus, je voudrais... Les deux qui avaient l'air abattus dans le couloir, ils sont toujours là ou pas? Bah justement, c'est celui qui gueule, qui était abattu dans le couloir, qui est devenu assez revendicatif. Alors comme c'était normalement un couple, donc il devait avoir un mec et une nana, comme le mec apparemment... Non, c'est un couple, c'est pas forcément un mec et une nana. C'est un binôme. C'est un duo. Alors, comme il y avait deux, j'essaie de trouver l'autre, celui qui apparemment, lui, n'a pas pété un plomb en disant qu'il allait tous les avoir, ces salauds de néo-corléanais. Alors attends. Celui qui a pas pété un plomb, c'est celui qui a pété un plomb qui a dit qu'il voulait les savoir tous. Putain, je comprends rien ce que tu m'as dit. Alors justement, en fait. Je te dis que je recherche l'autre, celui qui n'a pas. Il est pas là.
Il s'est barré l'autre. Pas cool. Bon bah on verra au commissariat. Ouais. Mais visiblement, clairement, ce que t'as vu, c'était un gars, c'était le gars là qui était choqué, t'es dans les bras d'un autre flic, hein, qui lui tapotait l'épaule. Hein. Mais bon. Cela dit, en traînant un peu, genre en signant 2-3 paplards, etc., je voudrais bien essayer de causer sur un des flics pour en savoir plus sur Joseph Garrison. T'es où là exactement? Ah bah j'ai quitté la chambre, donc je suis ouais. Dans le couloir ou ouais. Je descends dans le. Bah, il reste plus que 4-5 flics, hein. La plupart ont été soit virés avec un gros coup de pied dans le cul par leur capitaine. Bah je vais prendre parmi les derniers flics alors. Ouais. Ou je me présente hein, clairement en disant que j'ai été affecté sur l'enquête et j'aurais voulu en connaître un peu plus sur Joseph Garrison. A priori, ça avait l'air d'être quelqu'un qui était apprécié vu le nombre de flics qui sont pointés ici. Alors il te regarde. Ouais. Et bah ils te disent que Garrison était un bon élément et que on regrettera tous sa perte. Il était là depuis longtemps. C'est un bon élément. Ok. Bon. Oh la coopération ça va être sympa là. Ouais. Là tu la sens bien la coopération italienne. Bah, merci beaucoup. Donc moi, en fait, le truc, c'est que je cherche si dans la rue, s'il y avait des caméras ou des trucs comme ça visibles, ou même dans le bâtiment, en fait. Alors, clairement, caméra, Little Italy, c'est mort. T'oublies, c'est vieux, il n'y en a pas. C'est vieux, il n'y en a pas, et s'il y en a, elles ont été démontées. D'accord. On ne filme pas Little Italy. C'est ça, c'est... De toute façon, ils ont pas besoin de ça, ils ont toutes des mamies qui sont au balcon qui surveillent. Tu fais quoi, en fait? Tu fais un peu le tour des gens autour de l'hôtel, c'est ça? Tu fais un truc de ouais, voisinage. Une petite enquête de voisinage pour les... Voilà. Ouais, je vais faire ça. Qui m'aime, monsieur? Oh, je vais t'accompagner. Mm-hmm. Voilà, qui m'aime, monsieur. Ok. Bah, vas-y, tu demandes aux gens autour, dis-moi, qu'est-ce que tu dis exactement? Bah, je demande, au moment des fesses, ce qu'ils ont vu, entre guillemets, ce qu'ils faisaient. Ou entendu. Il te demande, mais il s'est passé quoi? Je parle, genre la voisine d'en face, hein, ou les gens, c'est la plupart, il s'est passé quelque chose? Ah, bon, bah, si vous me posez la question... Vous savez, nous, on se mêle pas de ça, hein. On est des gens bien. Oui, ok. Bon bah tant pis, merci de votre coopération. Ouais, vous n'avez pas entendu un gros bruit vers 8h? Ah non. Non. Ah peut-être une porte qui a claqué fort. Ouais. Ouais. D'accord. Ok. Oh, ouais, dès la personne vous... qui me répond comme ça... Et vous avez pas vu la personne qui l'a claqué fort? Bah... Oh, peut-être mon mari a claqué un peu fort à la porte. D'accord. Est-ce qu'elle est en train de dénoncer son mari comme étant l'assassin? Non. Oh, j'aimerais bien que des fois ce soit comme ça, hein. Dans le ouais. Ça serait vachement plus. Bah oui. Dans tous les cas, vous êtes attendu au commissariat. Bah, de toute façon, on va dire... On va dire au médecin de récupérer les corps, tout ça, de faire bien les analyses de la scientifique, et on laissera la scène fermée, je pense, un petit temps. Bah, de toute façon, ils te disent qu'ils essaieront de remettre un rapport sur le bureau demain ou après-demain. Ouais. Au minimum en dématérialisé, quoi. Le mec, je pense que le mec qui a pleuré, là, qui s'est montré un petit peu violent, c'est peut-être le partenaire du mort, hein. De chance. Dans tous les cas, il a été traîné au commissariat par ses collègues. Hein. Oui. Oui, bah après. C'est pas le premier, hein. N'est-ce pas, Guillermo? T'as vu. Bien, bien, bien. Bon, ben, on va peut-être faire un saut au commissariat. On a interrogé le propriétaire de l'hôtel, le gars qui a trouvé. Et le commissariat, c'est ça? Oui, ça c'est le. En fait, c'est le concierge. Le réceptionniste. Le réceptionniste est actuel. Et à ce moment-là, il est en ce moment dans les bureaux du LAPD pour faire sa déposition. Giorgio Macchiati. Si vous allez assez vite, vous pourrez le toper avant qu'il sorte pour l'interroger. Alors, moi, j'aurais une
Question, c'est il est tout seul dans la boîte, il y a pas un responsable de la sécurité ou un truc comme ça? Quelle boîte? L'hôtel, dans tu l'hôtel, ouais. Et qu'est-ce bah... non, non, ça ça a pas l'air d'avoir de gens de responsables de la sécurité, mais en même temps, t'as personne à qui poser la question, quoi. Mmh. La sécurité, c'est les mecs qui viennent une fois par mois passer, et tu donnes 1000 euros, 1000 dollars, tu vois. C'est eux qui assurent la sécurité. Il y en a qui commencent à comprendre. Oui, non, mais y a pas un responsable aussi. Enfin, c'est le réceptionniste, le responsable de l'hôtel. Non, c'est le réceptionniste. Bah, l'hôtel, il appartient peut-être à 25 000 personnes, très très loin. T'as, hein, pas, t'as pas d'infos, voilà, actuellement, sur ça. Bon, on va au commissariat. Ouais. On veut parler au mec, hein, ok, qu'il soit... commissariat, donc vous arrivez, donc vous êtes accueilli par le capitaine. Bon, clairement, les gens du commissariat qui vous regardent, clairement, vous vous sentez un peu mis à l'écart, on vous aime pas, quoi. Ouais, oui. À côté, là, on est en train de faire le boulot du SAD, donc c'est... Bah, c'est ça. C'est exactement ça. Vous êtes donc le capitaine Simmons vous reçoit. Il vous donne un bureau, un accès, un truc. Il vous donne la clé du bureau. Il vous dit qu'il est le seul à avoir un double. Et s'il faut, il vous donne le double. Ouais, et la serrure, c'est easy ou c'est du solide, quoi, parce que... C'est du solide, maintenant, un flic bien déterminé avec les bonnes compétences, il l'ouvrira quand même, hein. Maintenant, à vous de pas laisser des trucs. Claire, et bon, il vous dit qu'en gros, s'il y a un problème, s'il y a un flic qui est récalcitrant ou autre, vous le prévenez. Et hors de question que son commissariat soit entaché par des affaires soit de corruption ou autre. Il veut que vous fassiez la lumière sur le truc, quoi. Il y a un truc que j'aurais fait quand même. Il vous présente McAllister, le gars qui gueulait et tout. Et qui était la fourrée, qui était le. Juste avant. De... Oui. Avant. Ouais, avant. J'aurais fait le tour du parking et des voitures des policiers du commissariat. Genre, juste jeter un coup d'œil pour voir s'il n'y a pas, on va dire, des voitures un peu plus luxueuses que dans d'autres commissariats, ou toi, peut-être... Bon, y a quelques voitures un peu luxueuses, mais ça reste quand même abordable avec une paye de fonctionnaire. Ouais, il n'y a pas du gros matu, quoi. Il n'y a pas un truc bien tape à l'œil, si c'est ça y a la pas question. Du bling-bling. Non, d'accord. Non. Okay. Le réceptionniste... Giorgio Macchiacchini est déjà parti ou... Bah là il en, c'est, tu demandes ça à qui? À qui je vais demander? Bah au type qui est à l'accueil directement, parce que je suppose que s'il est parti il a dû devoir partir. C'est qui? Le réceptionniste de l'hôtel où on a trouvé oui ça l'affaire. Bah je crois qu'il doit partir là, j'ai entendu dire qu'ils allaient il avait fini, donc ouais il doit être sur le point de partir je pense. Il est encore en salle d'interrogation encore. Il est en salle d'interrogatoire encore ou... Non, ils ont pu finir avec. Attends, il appelle, il passe un coup de fil. Si vous attendez là une ou deux minutes, il devrait passer la porte. Ok, bah j'attends alors. Sauf s'il passe par derrière, mais bon, ça m'étonnerait qu'il connaisse la sortie de derrière. On est bien d'accord. Déjà, ça me prend qu'il y a une... On va aller à la porte de derrière, nous, on sait jamais. Ouais. Donc, Guillermo, bah, le gars, il dit, bah, c'est ce gars-là. Ok, donc, je le salue, déjà, ce brave homme. Je le remercie pour sa déposition. Je lui dis de... Il dit merci, mais il doit rentrer chez lui. Il n'y a pas de souci. Je vais peut-être... certainement ou le reconvoquer plus tard s'il y a des éléments à éclaircir, ou passer chez lui justement, donc qu'il ne soit pas étonné si je me pointe, quoi. Serre-lui la main. Ouais. Est-ce qu'elle est moite? Est-ce qu'il a les moins moites? Allez, oui, il a les moins moites. Si ça fait... Non, moi j'aurais demandé s'il y a de la poudre sur sa main. Étonnant, mais bon. Alors, en gros, tu peux aussi le garder, hein. Oui, non, hein. Mais pour l'instant, j'ai rien. Donc, je vais par contre demander qui l'a interrogé. Et je vais demander si je peux. Ah bah, on te dit que. Alors, on donne le nom du gars et la déposition. C'est pas une interrogatoire, c'est une déposition déjà. Oui, c'est juste une déposition. Et on l'a fourni au dossier.
Avant qu'il parte, je vais lui poser une question quand même qui est comment on obtient une carte pour entrer dans une des pièces de votre hôtel? Carte? Enfin, des badges, une des portes, je sais pas. C'est Little Italy, ça marche avec des clés. Hein. Ouais. C'est vrai que c'est pas commun. Bah, il suffit de payer à l'entrée. Comme je l'ai dit, Machiati est venu, il a payé. Et bah, du coup, si c'est des clés, ça veut dire que quelqu'un aurait pu en faire un double en fait. Voilà. La chambre à. Ah machin là, Germany et puis c'est et puis voilà. Il avait réservé à l'avance? Non, il est venu, il m'a donné un gros. Il vient souvent? Bon bah vous l'interrogez en fait. Non, bah, comme oui. Ça, Ok, vas-y les questions. Bah du coup dans les questions c'est est-ce que vous êtes tout seul pour vous occuper de oui. L'hôtel? Oui, et il n'y a que deux clients, il n'y a que deux occupants dans l'hôtel régulier. Il y a combien de personnes dans l'hôtel? Il y a combien de pièces dans l'hôtel? Il y en a, il y a quoi? Il y a deux étages, ça doit faire 7-8 chambres. Et comment ça se passe quand vous devez quitter votre bureau pour vous occuper de l'hôtel? C'est quel bureau? Le bureau c'est la réception. L'accueil quoi, la réception. J'habite sur place, je comprends pas votre question. D'accord, et qui garde les clés pendant que vous êtes par exemple à l'étage en train de faire un... Bah il y a des femmes de ménage peut-être. Non mais les clés elles sont fermées, enfin je comprends... Je veux dire, vous voulez que j'appelle un flic pour vérifier si quelqu'un rentre dans mon hôtel quand je suis pas là? Enfin quand je suis pas là mais... Non, c'est vrai, c'est un truc familial, Y'a personne qui m'a jamais volé quoi que ce soit. Ouais. Est-ce qu'ils étaient rentrés avec un attaché caisse? Alors, comme je l'ai dit, alors je vais vous répéter ce que j'ai dit au truc. En gros, j'ai donné une clé à Jimayani à 8h. Et bon, il m'a donné un billet pour que j'aille faire un tour. Alors, j'étais faire un petit tour. Voir un petit expresso en face, au coin de la rue. Au Roma Café et puis j'ai entendu deux détonations à peu près une demi-heure après. J'ai couru à l'hôtel, j'ai croisé personne sur le chemin, je suis monté à la chambre et j'ai découvert les corps et donc j'ai appelé la police. Ok. Il n'y avait personne d'autre à l'hôtel à ce moment-là? Pas des clients Non, les deux habitués, les deux cousins là, c'est un apprenti boucher et un apprenti boulanger. Normalement, ils partent à 6h. Donc, non, normalement, ils étaient pas là. Il n'y avait pas d'autres clients. Et pour avoir des renseignements supplémentaires, j'ai d'interrogatoire. Bah, allez, oh. Allons-y alors. Tant qu'on y est, vu qu'on l'a quitté. Moi, je vis en mode neutre. Et comme d'hab en rhétorique. Okay. Alors on va commencer par neutre, c'est quoi? C'est poli quoi? Oui. Poli, ok. C'est éducation pour rhétorique, hein. On est d'accord, c'est toujours. Ouais, c'est éducation. On va faire. Hop. 3 succès. Lui aussi. Y a d'autres qui veulent faire leur jet en même temps d'interrogatoire? Ouais. Moi ça va être violent. Ouais. Ouais, moi j'ai plus le faire côté éloquence en fait. Hein, Si tu veux. Pour lui dire que ça peut être très intéressant pour lui d'aider la police et de participer. Oui, mais agressif, inquisiteur, froid, poli, amical. Amical. Amical, ok. Par contre, je sais pas si je te fais ça sous éducation ou charme. Ah bah, ouais. Si c'est en éloquence, c'est sous charme, hein, t'as pas le choix. Ok, hein. Donc c'est charme, éloquence, c'est parfait. Ok, et est-ce que Obi ou Denis aussi lui pose plein de questions? Non. Ok. Non. Non, je suis hiver, hein, je la regarde okay. Faire. Alors clairement, vous n'aurez pas toutes les infos. Hein. Clairement, je sais. Clairement. Parce que bon, il faut marger assez haut pour avoir toutes les infos du gars. il te dit donc Gemma Yanni, donc l'autre personne, et il te donne au passage son prénom,
que je retrouve, que je ne me trompe pas. Lorenzo. Gemini. Tu l'avais dit tout à l'heure. Je vais le marquer. D'ailleurs, je vais marquer Lorenzo. Gemini. Voilà. Et d'ailleurs, Joseph Garrison, je vais pas m'emmerder à le marquer. Hein. Vous démerdez. Putain. Je pense que c'est simple à écrire. Garrison avec deux S. Lorenzo. Y. Non. Donc, je disais. Oui. Hop. Donc, Gemayani utilisait fréquemment l'hôtel pour ses rendez-vous. Et à chaque fois, il me demandait de sortir. Et je sais que ouais, il faisait partie de la Cosa Nostra, quoi. On est néo-corléonais, quoi. Ok. Ok. Ah oui, et non, pas vraiment, en fait, vu que t'as fait plus 1, donc ouais, si, il te dit... bon, et je l'ai vu déjà une ou deux fois avec Garrison rentrer dans l'hôtel. Il a déjà vu avec l'autre, le flic, une fois ou deux rentrer dans l'hôtel. Alors que je l'ai déjà vu ce flic déjà rentrer dans l'hôtel alors que Gemiani était déjà là et je sais que Gemiani appartient à la famille de Sally Flatch. Vous avez bouffé du hein. Et c'est à peu près tout ce qu'il dira, sachant qu'il y a encore des choses à tirer de lui hein. Moi je vous conseille quand même de poursuivre l'interrogatoire, parce qu'il y a deux personnes qui n'ont pas continué l'interrogatoire. Et il a dit qu'il appartenait à la famille... Sally Flatchy. Bon. Je vais y mettre. Hein. Je vais faire une marge de plus 2 pour avoir toutes les... moi je vais être en inquisiteur. Ouais. Intimidation. Et tu tapes dans quoi Intimidation, ça, t'as dit? Ouais. Ok. On revient au traditionnel. Pas plus que les autres. Bah, j'aurais essayé. Et il reste plus que Denis, éventuellement. Denis? Vu ce qu'il a dit, ouais, c'est vrai que... Est-ce que tu pousses, toi? Ouais, un peu poussé. Quoi, si tu le pousses, il tombe, hein, ça c'est clair. Alors, agressif, inquisiteur, froid, poli, non. Amical. Plutôt froid. Ok. C'est sous son froid. Si tu le fais en intimidation, oui. Oui. Hein. Pas plus que les autres. Tant pis. Ok. Bon. De toute façon, on a déjà des infos, c'est pas mal. Maintenant, vous avez déjà pas mal de voix à enquêter. Voilà, on pourra déjà regarder sur la déposition si il cause de la famille Sally Flatchy et s'il a déjà... Non. La déposition, c'est ce que je vous ai dit avant les jets. Ok, donc c'est vraiment que la déposition. Je pense que... Je pense pas qu'ils soient incompétents, en fait, dans le truc, mais je pense qu'ils ont... Il y a certainement des gens qui ont pas envie que ça... Non, c'est une déposition, c'était pas un interrogatoire qu'il a eu, le gars. Hein. Ouais, enfin, vous l'avez interrogé, là. Ok. En gros, vous l'avez amené dans votre bureau qu'on vous a donné, et vous lui avez posé plein de questions, hein, parce qu'il est resté bien une trentaine de minutes à se faire marteler par quatre cops qui l'ont bien lessivé, le gars. Voilà. Oh, la lessivé, moi j'ai gentiment posé une question, parce qu'il y avait une question que je me posais qu'il fallait... Ah oui, mais c'est un interrogatoire, donc vous l'avez posé au bureau, quoi. Je vais en profiter pour faire un saut voir le capitaine du commissariat pour qu'il me parle un peu de Garrison. Ok, alors tu vois qui, le capitaine ou son collègue McAllister? Peut-être pas le capitaine s'il est occupé. Après tu peux aussi demander à ses collègues, tous les collègues autour. Ouais, non, je vais déjà voir avec McAllister, je vais pas déranger le capitaine pour tout le temps pour ça. Si le capitaine a du temps pour moi, je veux bien, sinon, s'il est occupé sur autre chose, je demanderai à McAllister. Je t'accompagne pour... moi, en fait, c'est vraiment McAllister. Alors, McAllister, et...
lui demander quelque chose en particulier? Bah, qu'est-ce qu'il peut nous dire sur Garrison? Déjà, on a vu que c'était quelqu'un d'apprécié, mais grosso modo, pourquoi il était apprécié? Est-ce qu'il était là depuis longtemps? Bah, clairement, alors, il dit déjà que, clairement, il pense que c'est un coup des néo-corléonais. Parce que il a vu la scène de crime, ça sent le fusil à canon scié, c'est signé. C'est signé, c'est eux. Ouais, mais pour le moment, de toute façon, on n'a pas de preuves, c'est peut-être justement... Oui, non, non, mais... Et donc, pour répondre à la question... Pousser le truc... Garrison, voilà. C'était surtout un brave type, quoi. Il a un peu bourru, mais surtout un brave type. Avec tout le commissariat, il est... Tout le monde l'appréciait énormément parce que c'est le mec à qui tu peux faire un peu confiance. Bon, un petit peu, sec, mais sympa. Et le seul vice qu'on lui connaît, c'est de supporter l'équipe de foot de Sacramento. Des tocards de première. Bon, on a connu pire comme vice. Bon, on sait aussi que... Il y a de ça quelques années, il y avait un petit problème avec quel alcool. Qui n'en a pas eu. Pour tout dire, c'est une partie de sa vie où il a divorcé de sa femme Madeline. Elle est partie avec sa fille Janice. Et pendant un an, alors que j'étais collègue avec lui, c'était un pocheton de première. Mais on l'a tous les collègues, on l'a couvert, on l'a aidé à aller aux alcooliques anonymes, et depuis, on sait qu'il touche pas à une seule goutte d'alcool. Ok. Et il s'est remarié ou il est resté Non, on sait que de temps en temps il va aux putes, mais bon, qui l'en blâmerait, hein, c'est un vieux, les vieux filles, ça intéresse personne, quoi. Ok. Je vois d'un seul coup ma vie tracée et je... J'aurais plus dit la vie d'un collègue. Hein. T'as découpé son micro. Que non. Ah, non, il n'ose pas me retourner le couteau dans la plaie. Sa fille est toujours dans le coin ou elle est partie Ouais, vit avec son ex. Après, je sais pas exactement ce qu'il en est. Donc, grosso modo, brave gars, sympa, sur qui on peut compter. Si vous voulez, je pense que je peux chercher le numéro de téléphone de son ex, mais bon, je suis pas sûr de l'avoir encore. On verra. Je garde ça sous le coude au cas où, si jamais... Si j'ai que des impasses, je reviendrai là-dessus. En tout cas, merci pour les informations. À moins que Max, Denis, t'as d'autres choses à dire. Non, mais tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est peut-être une mise en scène, en fait. De toute façon, pour l'instant, on privilégie... Une mise en scène pour nous faire croire. Ouais. Mais... Seules les troupes d'élite de l'Empire peuvent réussir un tel carton. Oui. Excusez-moi. Non. Non mais si tu déconnes pas, les seuls moments où les Stormtroopers foirent leur tir, c'est quand ils ont eu l'instruction par Dark Vador de les laisser partir pour trouver la base. Non, il y a une deuxième fois, quand c'est nécessaire pour garder les personnages principaux de l'histoire vivante. Bah pas comme ça en fait. Hein. Bon. C'est le réalisateur qui l'aura dit en fait, mais bon. À part ça, d'autres pistes, vous avez pas mal de pistes à enquêter, donc je sais pas, vous avez aussi le nom du gars, vous avez plein de trucs, donc à vous de me dire où c'est que vous allez, il y a plein de choses à faire. Bah, justement, il y a plein de choses, donc il va falloir qu'on se partage pour ratisser large les gens. Donc, il y a déjà la famille Salifachi, c'est intéressant d'aller voir. À mon avis, ça, ça risque d'être assez folklore. Compliqué. Ouais, il y a le fameux attaché case, à mon avis, parce que ça, j'ai l'impression que ça tourne autour de ce machin. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore ? L'attaché case, on est d'accord, c'est le mafieux qui l'avait ramené. Oui. On sait pas la trop. La clé était sur le mafieux. La clé était sur le mafieux, mais on sait pas trop. On a demandé, je sais pas pour ça, mais on a demandé si les flics l'avaient vu, le flic avec un attaché case dans la journée. Non, mais en plus, il est mort à 8h du mat. À 8h du mat, je pense qu'ils l'ont pas vu en fait. Hein. Bah, je sais pas, c'était quoi ses horaires L'autre chose aussi, ouais, Denis, t'avais pas noté le numéro du badge du flic qui avait fait l'exclandre. C'est un peu son collègue. Hein, oui, c'est un peu son collègue. Clairement, c'est qui posait la question à son collègue? Bah, c'était.
Bah, c'était toi, non? C'est... Oui, mais c'était... oui, non. C'est Guillermo et Denis. Non, mais en fait, juste pour dire, le McAllister, clairement, si vous avez besoin d'un coup de main, il vous dit au commissariat ou que vous avez besoin que, de quelque chose, il donnera le coup de main parce que lui, il veut serrer les mecs qui ont fait ça. Pas de soucis, par contre. Bon, clairement, il vous dit aussi que. Il vous cache pas que si vous voulez faire justice vous-même, il vous couvrira. Hein. Ouais. Ok, ouais. Bah on y pense. Alors, mais... c'est pas notre genre, mais alors pas du tout, du tout. Hein. C'est clair. Il vous dit ça parce que vous êtes cop, c'est que vous êtes pas du SAD. Hein. Parce que si vous serez du SAD, il aurait pas dit ça. Évidemment. Sans doute. Donc alors, ah bon. Il y avait les Safilashi, il y a la fameuse attaché case. Et puis il y a la vie du gars, de Garrison. Ouais. Il y a moyen d'essayer de voir avec son ex éventuellement. Sinon, on peut aller voir chez Garrison, chez lui, voir s'il a pas quelque chose. Il a peut-être laissé quelque chose, je sais pas, dans sa chambre, dans son bureau, dans n'importe quoi. Parce que c'est pas la première fois qu'il voyait Lorenzo, ce petit gars. Alors, donc, je pense qu'il avait déjà des contacts avant. Pour parler bureaucratie, pour vous donner aussi les pistes bureaucrates, parce que c'est pas forcément. Si vous voulez le dossier de Garrison, son dossier au sein de la police, vu que c'est un truc qui va demander de passer par une signature à la fois du SAD et du substitut, ça vous demandera un jet de bureaucratie sans froid à difficulté 2. Sachant que la marge de 0, c'est le dossier au bout de 2 jours, la marge de 1, le lendemain, et la marge de 2, le dossier le jour même. Voilà. Lynn, le dossier de Garrison. C'est toi qui es super doué en bureaucratie, non? Non. Je suis pas mal non plus. Alors, moi, je suis pas trop mal en sang-froid, mais voilà. Bureaucratie, non. De la même façon, si vous voulez faire. Vous voulez demander accès à ses comptes perso, c'est bureaucratie, éducation, difficulté 1. Après, ça, je peux faire. Après, pour ce qui est des perquis chez lui, vous avez vous avez tout ce qu'il faut. Vous n'avez pas besoin et tout. Ok, bah, dans ce cas-là, il faut. Et à chaque fois, et pareil pour tout ce que j'ai pour demander d'autres trucs, n'hésitez pas à demander. Hein, parce que je vais pas faire les négociations avec le substitut, je vais tout faire passer par des jets de bureaucratie, sauf si vous y arrivez pas. Moi, ce que je demanderais, c'est les relevés téléphoniques de la chambre d'hôtel. Ok, bureaucratie, sans froid. Pas con, hein. Ouais. Pas con du tout. Je te donne un coup de main là-dessus. J'ai réussi. Deux. Moi, ok, avec deux, tu les auras d'ici une heure, quoi. Enfin, tu les auras tout de suite. Y a pas de coup de fil qui ont été passés de la journée. Oui, mais Le premier jet que vous vouliez faire? Vous fallait bureaucratie. C'était éducation bureaucratie pour avoir le dossier. Sans froid. Sans froid. Deux. Le dossier de Garrison, personnel de Garrison. C'est pas exceptionnel. Mais du coup, moi ce que je voudrais, c'est aussi les. Par acquis de conscience, les relevés téléphoniques. Oui! De la chambre, mais. À d'autres moments quand ils sont venus. Voilà, de l'accident que je réussis ça. Bah, le problème, c'est que. T'as pas de date précise. Bah, on va demander au gars qui les connaît. Ah bah, le mec, il te dit clairement que. Il a jamais noté les passages, donc il serait incapable de te dire quel jour il est passé. Le gars. Mais quand est-ce qu'il a vu les deux en même temps Mais la fréquence, du coup. Il les a vus 2-3 fois, mais ça devait être sur 1 ou 2 ans, quoi. Je pense que l'essentiel de sa clientèle table sur le fait qu'il ait une mémoire assez pourrie et aucune note de qui vient quand. Oui, non, c'est sûr. Mais ils n'ont pas de date, malheureusement, pour raccourcir le truc. Et pour les relevés de la journée, clairement, il n'y a pas de coup de fil qui ont été passés de l'hôtel en dehors de l'appel. Depuis ce matin, je veux dire, de minuit à 10h, il n'y a qu'un seul coup de fil qui a été passé, et c'était l'appel au 911, quoi. Mmh. Ok. Le jet de Max, pour quoi? C'est pour le dossier de Garrison? Ouais. Pour le dossier de Garrison, exact. Donc s'il n'y a pas d'autres jets qui sont faits pour le dossier de Garrison, il arrivera dans 2 jours.
Ouais, je vais donner un petit coup de main. Vas-y, regarde si tu fais mieux. C'est sans froid bureaucratie. Ouais, sans froid bureaucratie là. Parce que en fait, c'est des coups de fil au substitut, au SAD. Ouais, tenir sa langue et compagnie quoi, avoir du sang froid. Ouais, ben pas mieux. Hein. Bah, ouais, franchement, je veux le faire par curiosité, mais. Ah, vas-y. Tout le monde a été donné. Allez, je vais m'y essayer aussi, mais je pense pas que je vais réussir. On fire, le Guillermo. Ah bah, on a tous fait deux, quoi. Ouais, le substitut, à la fin, il y en a marre hein, de tous ces flics qui appellent pour la même chose. Putain. Donc vous recevrez le dossier. Parce que le temps qu'il négocie avec le SAD pour vous, le substitut, vous le recevrez tout ça donc le 9 octobre. Ouais. Okay. On est le 8 là, c'est ça ? Là, vous êtes le 7. On est le 7. Qu'est-ce qui va au domicile de Garrison et qu'est-ce qui va voir la famille Sally Fatchi ? Vous avez aucune idée de qui c'est, hein, la famille Sally Fatchi. Justement, bah, avant alors, déjà, faire des on recherches va te poser des questions. Sally Fatchi. C'est la famille. Même moi, j'y arrive. C'est famille Sally Fatchi. Moi, c'était. Il paraîtrait que je suis parfois de mauvaise foi, donc je te promets que c'est pas du tout par mauvaise foi et par facilité. Donc, des Sally Fatchi, je fais une recherche sur eux sur internet. Enfin, sur internet, dans les dossiers, tu trouves rien. Non, mais sur les dossiers, tout ça qu'on a. Ok. Sally Fatchi, hein, tu cherches. Sally Fatchi, oui. Ça s'écrit comment, juste par curiosité parce que... Sally, S-A-L-I, espace, F-A-L-C-H-I. Sally Flashi. Flashi. Alors, dossier de la Conesa Nostra. Je vais vérifier juste parce que de ce que j'ai, qu'est-ce qu'il me dit sur la famille Sally Flatchy et qu'est-ce sur que internet, t'as un lien sur internet, t'as un lien pour les coussins en motif couverture de magazine Flashy en fait, c'est tout ce que tu trouves. Sally Flatchy. Merci, je suis trop content. ça méritait d'être dit quand même. Hein, mais bon. Alors, les Sally Flatchy, tac tac tac, que passe. Est-ce que j'ai le nom, territoire, organisation au complet, non, ça c'est pas les Sally Flatchy. Donc, non, ils font pas partie de cette mafia-là. Alors, c'est un peu la problématique, c'est que le nom de mafia, c'est un peu la fête du slip. Le problème, c'est qu'ils... Et on a tous des caleçons. Ok. Ah, Sally Flatchy, donc c'est bien ça. Tu me fais un petit jet histoire de quand même bureaucratie, éducation. Et alors, ça. Bureaucratie, éducation. Ah, c'est bon, 4, c'est 6, réussi. 6, non mais c'est réussi hein. Je t'ai pas donné la difficulté, mais c'était 1 la difficulté. Sally Flatchy, clairement, ce dossier est t'as un dossier qui est ramené à donc le crime organisé. Propriétaire de 5 pizzerias Vesuvio et d'une société de livraison. Il est considéré comme potentiellement un chef des équipiers de la famille des... Les alors je vais marquer parce que putain les grands Brio. Hop, ah merde, il y a pas de S. C'est le... enfin si les, mais bon, j'ai fait une petite faute de forme. Il y a un espace au mauvais endroit. Il est considéré comme un peut-être un chef ou un homme de main, on sait pas trop. Dans tous les cas, il a déjà été inculpé et jamais... il a déjà été en procès, mais jamais pris, jamais eu. Les témoins ont disparu. Ouais, à coup de canoncier, quoi. Non, ils sont jamais venus au procès. Ouais, à coup de canoncier. Non, j'ai pas dit qu'ils étaient morts. J'ai dit qu'ils sont pas venus au procès.
Si on cherchait en bord de mer, je suis sûr qu'on retrouve des pavés. J'ai pas dit qu'ils étaient morts. J'ai pas dit non plus qu'ils étaient disparus. J'ai dit qu'ils n'ont pas venu au procès. D'accord. Ouais, il les a gracieusement payés ou des choses comme ça, ok. Oui, ou menacé, ou tout ce que tu veux, mais voilà, officiellement, ouais. Non. Sachant que, juste pour tout le monde, la mafia italienne est répartie en trois grandes familles. À savoir les Old Ones, les équipiers et les Néo-Corléanais. Le pourquoi du comment de chacun, bah, vous connaissez pas du tout, parce que, mais je vous donne juste les noms au moins des trois grandes, entre guillemets... C'est même pas famille, c'est trois grandes... C'est quoi le deuxième? C'est les équipiers. Dont fait partie cette famille. Donc, comme je disais, Sally Fatchi, donc connu donc, pour des activités mafieuses, il a été inculpé recel, racket, escroquerie, jamais arrêté, faute de preuves et de témoignages, exactement. Il y a une session du crime organisé dans le commissariat, hein, si vous voulez aller les consulter, au cas où il serait coopératif, ce qui est pas dit, mais bon. Ouais, pas qu'à moitié. Et voilà, pour en gros. Je propose qu'on aille quand même les voir, ne serait-ce que par politesse, et éviter que ils se fassent des films. Des films de quoi? Je sais pas s'il faut. Oui, c'est ça, ils vont peut-être aller voir. Bref, un vieux Corleone. Ouais, mais pour essayer d'avoir peut-être quelques. Pas des indices, mais. Des personnes à aller voir. Dans tous les cas, le commissariat est en effervescence. Ouais. A priori, chacun a décidé de mener sa petite enquête sur de ce que vous entendez dans les bruits de couloir. Il y a plusieurs flics qui ont décidé de mener leur enquête de leur côté sur la mort de leur collègue. Sans vous consulter. Ouais. J'ai les consultés et je peux leur dire... Non mais c'est pas ça, c'est t'entends des bruits de couloir. C'est-à-dire si tu t'approches pour parler d'un gars, ils te disent tous la même chose. Non mais on enquête pas bon et... comment ça s'appelle, c'était un brave collègue, c'était un gars bien, et tout le monde te dit la même chose en fait. Hein. T'as l'impression d'être un pestiféré. Ouais, un pestiféré qui... Bref. Non, non, mais cherche pas, tu gagneras pas, ils sont chez eux, ils sont nombreux, c'est bon. Faut pas essayer de la jouer à la tête dure là, je pense. Mmh. Tu prends le plus baracule, tu le défonces et tu fais bon, maintenant qui peut me traiter comme un pestiféré? Bon, alors. Faites quoi d'autre? Donc, la question. Qui va au domicile de Garrison? Qui va faire un saut? Il habite à l'Axe, le Garrison. Dans l'aéroport? Non, mais il y a un quartier. Bien sûr. Ah non, ouais. Ah non, excuse-moi, non, non, il habite. Attends, il a pas de... J'ai pas... Attends. Il saute... Il habite nulle part. Il vit sous... Ah non, non. Non, non, il habite... Ouais, si, il habite à l'Axe. Donc, là, oui, à côté de l'aéroport. C'est un quartier, hein, l'aéroport. Il y a tout un quartier qui est assez mal famé, d'ailleurs. Et assez bien pourri. Vu qu'une partie des habitations sont sous l'aéroport. Ah, oui. Cool. Enfin, sous les avions, non? Donc, je répète la question, qui a envie d'aller dans un quartier pourri pour aller jeter un coup d'œil dans la maison? Si tu veux y aller, moi je t'accompagne, hein, je vais pas te laisser y aller tout seul, mais... Vous avez aussi de regarder son casier, hein, vous êtes au commissariat, hein, il a un vestiaire. Ouais, je vais m'occuper de ça. Ah non, excuse-moi, non, oui, alors, il a un appart minable à Little Italy, c'est sa femme qui est à l'Axe, excuse-moi. Ah d'accord. C'est ça, voilà. Donc c'est pas loin. Alors, on va demander si quelqu'un peut nous indiquer où se trouve le casier de Garrison. Ils te le montrent tous, ils te le montrent. Ça fait très flippant, hein. Tous les flics du commissariat qui, d'un seul coup, d'un même geste, tendent tous le doigt vers un casier. C'est très flippant. Ok. Par contre, je suppose qu'il est fermé la clé. Bah oui, il y a un oui, code. Oui, mais on a la clé. Non, c'est un code. Non, c'est un code. Mais c'est un code. Et par contre, je suppose que McAllister ou le capitaine auront forcément un truc pour. Un code admin pour rentrer au cas où.
Alors vu que c'est un petit cadenas, comment ça s'appelle, avec où tu tournes le code, ce qu'on te donne, ce qu'on te donne gentiment, c'est un pied de biche. Hein. D'accord. Ok. De quoi okay, casser le cadenas, quoi. Vas-y, casse le cadenas, Denis. Y a pas de jeu à faire. Hein. Oh. C'est bon, c'est un petit cadenas, hein. C'est pas la mort. Oh, c'est dommage. Ok, tu le fais à main nue. Non. Il serre le poing autour du cadenas et le cadenas s'ouvre. Ouais, en suppliant qu'on arrête. Et quand il l'ouvre, il y a de la poussière qui tombe au sol. Et si tu veux le faire à la main, tu peux. Hein. Je te laisse faire le jet à ce moment-là, si tu veux ouvrir le cadenas à la main. Non, ah, tu vas en impressionner plus d'un, après, à mon avis. Ouais, mais tu risques de passer pour un con quand même. Hein. C'est pas faux. Non, mais j'utilise le pied de biche. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans son casier ? Des affaires. Et sans. Une chemise, son uniforme de rechange, des balles. Ouais. 8 kilos de drogue. Ah ouais. Tu me fais un petit jet quand même de scène de crime, difficulté 1, perception. C'est parti pour les petits jets de scène de crime. Les balles sont trafiquées. Ouais. Ah, il est violent ton jet, hein. Eh ben, ça a l'air d'être un casier, un vestiaire plutôt bien entretenu avec ses affaires, quelques affaires perso. Rien qui laisse suggérer que soit il est touché de l'argent qui lui permette de vivre au-delà de ses moyens, soit qui tremble dans quoi que ce soit. T'as une photo de sa fille et c'est tout. Pas plus que tout ça. On a au moins une photo de sa fille récente. Mais sinon, je pense que le rendez-vous qu'il avait avec, avec le mec, c'était peut-être son indique ou des trucs comme ça. Bah, oui, c'est peut-être son indique et l'autre a voulu faire taire l'indique et l'autre directement. Enfin bref, on peut imaginer plein de choses à ce niveau-là. Hein, donc. Il y a un gros poisson derrière, je pense, hein, aussi. Donc... Bon, Max, ça te dit de faire un tour dans la case Est-ce que... Je demande à ses collègues, est-ce que... Est-ce qu'il avait la garde de sa fille et est-ce qu'il a essayé de la voir ? Pour ceux qui te répondent, c'est à savoir donc surtout son comment il s'appelle McAllister. Olivier McAllister. Alors la voit très peu, mais il sait que il l'aime beaucoup en fait. Il sait que ouais, elle compte beaucoup pour lui. Il en parle beaucoup, mais non, il a pas la garde de sa fille. Il s'entend pas forcément génialement avec son ex, ouais. Mais il sait que sa fille est très importante pour lui et il aime beaucoup parler de sa fille. Il y a moyen de choper les documents du divorce, etc. Le jugement. Ouais, bureaucratie, sang-froid, hein. Tu vois Max, il y a de l'espoir. Oh. C'est appelé en fait la mairie. Il y a quelqu'un qui peut lancer 4 C7 s'il vous plaît. T'es peut-être en train de faire quoi, Obi ? Non, je suis allongé sur mon pubard et j'ai la flemme de me lever jusqu'à mon PC. Ah. Donc ouais, tu les reçois. Bonne copie okay. des documents. Ok. Moi, ce que je cherche, c'est de savoir s'il a essayé de la voir, la garde, en fait. Tu regardes, ouais, il a essayé de la voir, il l'a pas eu. Il verse une pension à Madeline qui est un pourcentage de son salaire. Maintenant, il n'y a pas marqué de. T'as pas la somme, quoi. Ouais. Pour avoir accès à tout ce qui est financier avec Madeline, il faut demander une autorisation de substitut d'ouvrir tout ce qui est dossier. Question idiote, si un flic se fait tuer et qu'il est divorcé, sa pension, enfin je suppose qu'il y a une pension quelconque, elle est reversée à son ex-épouse, à sa fille ? Je pense pas. À sa fille, il y a des chances que sa fille touche un petit quelque chose, mais ça dépend s'il a une assurance vie en fait. Ouais. Et pour ça, bah, ça sera dans son dossier quoi. Qu'on aura dans 2 jours. Voilà. Après, si tu veux avoir accès, comme je disais, au compte de sa femme, enfin de son ex-femme, pour voir combien étaient les sommes qu'il donnait, tu peux, hein, c'est bureau 3-2. Sa femme est dans le scénario, faut aller lui parler. Mais
On donc, sait ce elle habite à l'Ax, dans un, a priori dans un appart minable. Alors, question. Donc, on a envisagé l'angle mafieux, tout ça, mais on sait ce que c'était ces autres enquêtes en dehors de ça? Ces enquêtes actuelles, hein, non, on sait pas encore. Non, bah non. On n'a pas demandé d'informations. Peux demander à son collègue. À son partenaire. Ouais. Ouais. Sachant que c'est un gars de la métropolitaine, donc c'est un gars qui patrouille plus que... c'est pas un détective, quoi. Donc normalement, ouais. Il a pas d'enquête. Hein, en bah, il a peut-être été témoin d'un truc qu'il aurait pas dû. Oui, bah, pas trop, éventuellement, mais si on sait pas. Bah, moi, je laisserais bien Lynn et Denis continuer à interroger au commissariat, ou s'ils en ont envie, aller voir la famille Zaifachi pour annoncer que leur gars, Lorenzo, il a été dessoudé. En uniforme. Ouais, je suis pas certain que ça soit une bonne idée. Alors, j'ai dit, vous savez, vous, le groupe de mafia qui a des hommes qu'on connaît pas, mais qu'en fait on connaît. Il y en a un des vôtres qui est mort. 50 euros pour l'information. Ça fait un peu ça, moi. Hein. Enfin, voilà. Par contre, vous avez pas non plus demandé le dossier, hein, en tout cas, de Lorenzo. Ça fait partie des trucs que vous pouvez demander aussi. Bah, c'est le grand judiciaire, alors. J'y ai pensé, mais. Ouais. Bah, dis-le, exprime-toi. Oui, c'est oui, parce que... oui. Vas-y, hein, je fais la demande de... Il n'y a pas de jet à faire mais... pour ça. Hein. Oui, c'est juste une recherche sur l'ordinateur. Quoi. Ok, bah, donc pendant qu'il fait ça, on va partir avec Max. Oh putain. Ah, ça c'est du dossier. Dit Zippo. Alors, a priori, sa carrière commence à l'âge de 17 ans par un vol à main armée. Il a fait après 5 ans de détention. Il sort, il sort pour être remis en taule pour 2 ans pour être remis dedans 2 ans après pour racket, proxénétisme, coup et blessure, tentative de morse. Verdict, 10 ans de cabane. Ah il oui, en fait 7 et ressortira pour commettre des escroqueries à l'assurance. Ouais, a priori, c'est marqué qu'il est prouvé qu'il foutait le feu à des ruines pour toucher des primes d'assurance. Mais on n'a pas eu de preuve, les témoins se sont rétractés. 7 ans plus tard, il tombe pour meurtre. A priori, il a fait brûler un entrepôt délabré alors qu'il y avait un clochard qui dormait dedans. Le SDF a été brûlé vif. Jet de bureaucratie sans froid. Marge 0, marge 1. Pour tout le monde ? Pour celui qui est en train de compiler... Bah pour Denis, alors. Difficulté 1. Voilà, c'est fait. Ok. Clairement, le truc là, le meurtre, c'est Garrison qui a mis la main dessus. C'est Garrison qui était en charge de l'enquête, a priori. Excuse-moi, je pensais qu'il était de la... Non, mais donc, non, il est enquêteur, excusez-moi. Ouais, qui a mis la main dessus, verdict, homicide involontaire, 10 ans ferme, et un surnom, Zippo. Et au final, il fait que 5 ans pour cet homicide involontaire. Ça fait 2 ans qu'il est sorti de tôle. Et il s'occupe officiellement d'un poste de livreur de pizza pour Sally Flacci, patron des pizzerias Vesuvio. Tout à fait. Et voilà. Donc, oui, ça serait bien son indique, en fait. Genre, je te fais tomber, mais j'adoucis les angles sur ton dossier pour qu'on fasse moins, et après, tu m'en dois. Le SDF, il avait de la famille ? Non, clairement, non. Il y a 100 familles connues, il a même pas... En fait, il y a même pas de nom. Le gars, en fait, juste, on a trouvé un corps, et on n'a pas trouvé qui c'était. En fait, quand il était petit, il s'appelait Rémi, et puis pour quelqu'un d'autre. Il se baladait avec deux chiens. Ça, c'est pas marqué. Mais a priori, il y a de fortes chances qu'au vu de ce qui est marqué, et que c'est des trucs à l'assurance, c'est qu'il devait brûler pour des privés qui touchaient des primes d'assurance dessus. Des bâtiments délabrés. Et non pas calabrés. Ou calibrés, hein. Aussi. Attends, si tu te poses réellement, sûrement, à qui a profité ces incendies, moi je dirais que c'est quand même assez évident. Hein. Bah, grosso modo, c'est à partir de là où les pizzas Vesuvio ont pris deux restaurants en plus, tu vois. Mais bon. Alors, sachant que
Vous ne savez pas grand-chose actuellement sur cette famille. Je vous ai donné juste un nom de famille, histoire de vous, que vous ayez un nom de famille. Mais vous ne savez pas ni l'organigramme, enfin, ni en même temps, qui sont ces gens. Et vous n'avez rien du tout, quoi. Les pizzerias portent le nom d'un volcan, quand même. Hein. Je veux pas dire, mais... C'est parce que leur four est chaud bouillant. Ça doit être ça. D'ailleurs, c'est dingue, vu la quantité d'incendies qu'il y a eu dans Little Italy, ils ont tous renforcé leur sécurité anti-incendie. on peut vous laisser tous les deux, Lynn et Denise, dans le coin au commissariat pour continuer à creuser là-dedans pendant que moi et Max on va vous jeter. Alors, faites attention, hein, si un 10-18, hein. Oui. Je tire d'abord, je pose des questions après, et surtout, il évite de jouer avec des poubelles si t'es là. Ok. Il va falloir que t'arrêtes la drogue aussi, Max. C'est assez moche. Bah non. Capitaine Poubelle. Tu n'es pas de notre circonscription, mais tu es un copse d'enfer, Captain Poubelle. C'est moche. Pas mal. C'est très moche, mais ça fait sourire, donc j'apprécie. Il y a de l'imagination, quand même. C'est pas mal. La journée était un peu stressante, du coup, je crois que je libère un peu sur cette partie. Je suis pas trop excessivement efficace ni concentré, j'ai un peu du mal, j'avoue, je suis désolé. Mais sincèrement, on avait fait mieux... Je te signale qu'on est en Little Italy et que si on allume la radio, ils vont que passer des trucs en italien. Hein. Ça va être... Ouais, je suis pas certain qu'en 2030 à Los Angeles, Little Italy soit très italien en fait. Mais Ah, c'est dans l'ambiance, si. Si, mais tu, mais, tu vas voir là. Je suis pas certain qu'il y en ait beaucoup qui parlent italien. Disco italienne. Ah, ça, oui, clairement, c'est pas dit qu'il y ait beaucoup qui parlent italien. Bon, bref. Bon, vous êtes toujours au poste. Donc disais-je, justement, ça vous dérange pas de continuer à creuser au poste pendant que moi et Max, on va jeter un coup d'œil chez Garrison? Oui, vas-y. Ok, allez, ben on y va. C'est parti. Je suis le monsieur. Il y a quelqu'un qui a un train qui va chez lui. Juste un petit truc, actuellement je n'ai plus de PC. Hein. D'accord. Il fait blue screen sur blue screen, donc voilà. Ok, c'est pas grave, on tirera tes dépôts, toi. Voilà. Donc, t'arrives chez Garrison. Et bah, déjà, on a passé. Déjà, on inspecte la porte, voir si quelqu'un est venu fouiller avant. Parce que si jamais c'était un truc mafieux ou autre, peut-être qu'il y a des choses. La porte a l'air en bon état. Mais par contre, la porte est tout cramée. En fait, il y a que la porte qui a survécu au feu. Non, l'appart. Alors, la clé, il y a de fortes chances qu'il l'avait sur lui, Garrison. Donc, ça doit être dans l'épreuve. Avec les persos, ou c'était même dans son casier, peut-être. Ouais, il y a de fortes chances qu'elle ait été dans son casier, ses clés, en effet. Non, ouais, t'avais dit ça. Dans ce cas-là, on les a chopés pour aller chez lui. C'est quoi, c'est une maison Les clés que j'avais parlé, c'était sur le mafieux, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. C'est une maison, c'est un appart? C'est un appart, en Italie, un petit appart. Mais les clés, elles sont sous le paillasson, ou au-dessus de l'encadrement de la fenêtre, de la porte, quoi. Non, dans son vestiaire. Bon, bah dans ce cas-là, on va rentrer, oui. Et tu me fais, un jet de scène de crime. Au choix, perception scène de crime ou instinct de flic, perception, au choix. Bon, perception scène de crime, j'aime bien. Oh putain. La difficulté, elle est à 1. Putain, tout repose sur mes épaules, j'ai aucune chance, quoi. Oh Denis, ça fait 0. Ouais, pas Denis, pourquoi tu mets long d'ailleurs? Tu peux pas mettre Guillermo? Ah pardon, excuse-moi, j'ai mis Guillermo. C'est parce que j'ai fait mon update entre temps et je me suis reconnecté sans changer. Donc Guillermo, il voit rien. Clairement, il voit rien. Et Max, il voit rien non plus de très intéressant. Des photos de sa famille. Non, l'appart, il est assez minable. Tu trouves rien qui pourrait l'impliquer de près, de loin, à la fois sur son travail, ou même sur des affaires un peu louches ou du fric. Le mec, il vit avec peu de moyens, sa bouffe, elle est pas clairement. Il y a rien, en tout cas, il y a rien en aspect extérieur qui pourrait montrer qu'il pourrait être, qui pourrait toucher quelque chose de l'argent, en plus. Et il y a rien non plus qui... Il n'y a rien qui a l'air illégal dans cet appartement. Enfin, il est rangé correctement, mais bon, un peu... Pas une goutte d'alcool dans l'appartement. À noter. Donc, il était bien clean par rapport à ça.
Par contre, il y a des seringues usagées. Dans la chambre de sa fille. Non, pas. Vous trouvez ouais des affaires perso bah, de lui. Donc après, il avait peut-être besoin de toucher ailleurs pour sa fille en fait, hein, tout simplement. Hein. Oula, je sais pas ce que c'est, mais c'est bizarre. Et du coup, dans le congélo, de tout ça, il y a pas de. Il y a un bébé mort, mais sinon tout va bien. Ah, tout va bien. C'est les origines européennes, ça. Côté ouais, enfin immigré en Corée du Sud quand même. Mais, Bon, ou française. Et bah, donc écoute, bah si on voit rien d'exceptionnel. On va discuter avec les voisins. Oui, oui. Tu tapes la discute avec les voisins. Il savait qu'il était policier. C'était un voisin sympathique. Et depuis quand est-ce qu'ils ont vu sa fille pour la dernière fois? Ils l'ont jamais vu, je pense. Ils disent peut-être qu'ils l'ont vu une fois, mais ils savent même pas si c'est sa fille. Ils ont pas un événement récent qui serait arrivé, du genre, je sais pas moi, des esclandres dans l'appartement? Non, il était correct, il s'est jamais rien passé de particulier. Alors ouais, tu sais pas s'ils disent ça pour rien dire, pour pas balancer, ou si c'est la vérité. Tu fais un jet de psychologie. Oh putain. Perception, psychologie, difficulté 2. Oh putain. Putain, je vois rien en scène de crime, je vois tout en psycho. Ouais, 3 de réussite. Max ne fait pas de jet. Bah, j'ai pas l'air d'être très fin psychologue aujourd'hui, mais c'est perception, psychologie, c'est ça. Ouais, histoire 2. Ouais. J'ai toujours 0 points en psychologie, donc c'est pas gagné. Guillermo aussi, hein. Je suis grave psychologue aujourd'hui. Oui, tu vois, on se complète bien, tu vois. Moi, je fais rien en scène de crime, toi, oui. Moi, toi, tu fais rien en psychologie, moi, oui, tu vois. Donc... Ouais. Ah bah, c'est bon, empilez-vous, hein. Comme des Legos. Non, ils ont pas l'air de mentir, et ils ont pas l'air non plus... Enfin, ils ont pas l'air avoir peur quelque chose. Enfin, y a rien qui te paraît très suspect. Ils ont l'air juste sincères. Est-ce qu'ils... Depuis quand ils s'est installé là? 5, ça doit faire 5-10 ans. Enfin, j'avoue, jamais les gens sont là, ça fait un moment. Ok, c'est parti des meubles, quoi. Ouais, clairement. Non, mais c'était un mec bien. On veut bien le croire. Ok, Doki, quoi d'autre par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on pourrait... Bah, je vais voir un peu au commissariat si ce qu'ils font les autres. Alors, de la paperasse sur quoi? Parce que si vous êtes au commissariat ou vous parlez à des gens, sur quoi? Allô? Ouais. Ceci, il est là? Oui. Ah, oui. Oui, okay. Oui, je suis là. Non, mais à part. Sincèrement, à part creuser le dossier, hop, il n'y a rien à faire. D'accord, en fait. On a pas d'envie, il y a plein de trucs à faire. Il y a plein de trucs à faire, oui, mais c'est que. Bah, mais vous regardez, il reste 3 heures de service. Hein. Bah, déjà, on va commencer le rapport qu'il faut rendre à la fin de la journée. Tu me diras, en fait, le rapport en question, je ferai pas de jet, je vais juste vous demander de me dire ce que vous lui dites en fait. Pour le moment, on a plein de pistes qu'il faut qu'on écarte. Voilà, c'est fait. Non, mais. C'est un peu dégueulasse dit comme ça quand même. Mais, Ouais. Non mais attends, on a fait, on a regardé ses vieux dossiers, on a regardé côté de son divorce, faut aller voir sa femme à la limite, on attend pas mal d'infos côté de son dossier, truc perso. Est-ce qu'on a accès à son compte bancaire? Bah, il faut demander faut faire une demande. Ça ouais, on va demander, ouais. Ouais. Alors, c'est bureaucratie, éducation. Oh. Et difficulté 1. Y'a quelqu'un qui peut lancer 5C7? C'est pas cette feignasse. Alors, je tiens à dire que moi je ne suis pas une feignasse, c'est juste que mon PC a décidé de ne plus fonctionner. Oui. Là, tu n'as fait que un succès. Non mais j'ai fini super tard au taf, du coup, la femme quoi. Oh. Super, donc, avec un succès, hein. Donc vu que la difficulté est de 1, l'info que tu as est la suivante. Tu obtiens au bout de 20-30 minutes les accès en fait à tous ces comptes, il n'y en a qu'un seul.
Et bah, tu vois les prélèvements de la pension, etc. Et clairement, le mec, il a son salaire de flic et il survit avec le salaire de flic et la pension. Hein, parce que la pension lui fonctionne pas mal. D'accord. Mais clairement, ouais, à la fin du mois, c'est... il va lui rester une cinquantaine de dollars à tout péter. Hein. D'accord. Ouais, donc s'il veut avoir des indics, c'est compliqué quand même. Enfin, peut-être qu'à moins que... Enfin, je regarde dans ses charges, justement, il a l'air de payer régulièrement, pas de retirer en liquide. Ouais, il y a des sorties en liquide par mois, ouais, ce qui pourrait se correspondre à sûrement un ou deux indics. D'accord. Ok, bah je transmets l'info. Comme quoi, il n'y a rien de suspect sur ses comptes, il est dans le même état que Guillermo en début de campagne, quoi. Mais c'est tout. Ah putain, il est aussi fauché que ça. Là, c'est moche, ça. Donc c'est pas invivable, quoi. Mais il avait pris des options au niveau COPS, genre le syndicat, l'assurance-vie, machin... clairement... Enfin, police, quoi. Alors, il est payé moins que vous, hein, clairement. Et niveau option, il a une assurance. Alors pas tout, il a une assurance, mais ça a l'air d'être un truc privé. Non, il est pas syndiqué. Et il donne aux œuvres de la police. Putain, il est payé moins que moi et il donne aux œuvres de la police. Là, total respect. Il est propriétaire de sa maison. Non, non, il y a le loyer de sa maison qui passe. Ah non, clairement, il n'avait quasiment plus rien à la fin du mois. Hein. C'est... Ben, je sais ce que c'est. Après, en même temps, ouais, dans ces conditions-là, si je veux mettre de l'argent de côté pour essayer de récupérer sa fille ou je sais pas, ça peut être un tentant d'aller voir ailleurs, quoi. Mais bon. Bah, en tout cas, c'est pas sur son compte légal. Hein, il a fait quoi comme étude? On sait pas. Niveau scolaire. Ouais, tout ça sera dans son dossier. Deux jours. Pendant ce temps, à l'appartement. Bon, rien, peanuts, que dalle. Rien, peanuts, bah dans ce cas-là, on va rentrer. À moins que son appart de flic. Bah, à la limite, vous avez trouvé peut-être des munitions, quoi, histoire de son arme de service, mais pas plus, quoi. Ouais. Non, bah c'est bon, dans ce cas-là, on va rentrer, on retourne au commissariat. À moins que Max ait une idée. Jafar, vous voulez pas aller voir sa femme? Ben si, mais. C'est bizarre quand même, ils ont jamais vu sa fille. Bah en même temps, il a pas la garde, il a pas le. Tu vois les gens qui viennent dans les infrapartis sur toi? Bah, il y en a certains que je connais pas plus que ça, mais j'en ai croisé quelques-uns quand même, tu vois, donc. Bah. Ça dépend quel âge elle a la fille, parce que bon, si elle est très très jeune et qu'elle vient, ils peuvent l'avoir entendu au moins. Crier, courir, jouer, machin. Oui, et puis si c'est des gens qui travaillent, tu sais, souvent tu les croises au moment où tu sors ou alors, où tu rentres, tu vois, moi, fille, les gamins de mes voisins d'à côté. Avoir, là, actuellement, elle doit avoir. Attends, je vérifie. Elle a pas la vingtaine, donc elle doit être dans la quinzaine, ouais. Je trouve pas exactement son truc, mais elle doit être dans la 10-15 ans. Pour 10 et 15 ans, parce que j'ai pas de truc plus que ça. C'est elle qui a fait le coup. Elle a voulu se venger de son père. Parce qu'il était flic. Il était flic et il faisait du bon travail. Mais il avait commis le crime le plus grave en témoignant contre d'autres flics qui avaient tenté de l'assassiner. Et c'est la femme qui l'aimait qui avait été assassinée. Oh merde, non. Non mais j'ai une très très bonne mémoire, hein. J'ai une très très bonne mémoire, c'est tout. Non mais bon, c'est pas une raison pour nous faire des anévrismes comme ça, quoi. Je refuse, j'ai rien fait pour mériter que tu nous sortes le rebelle, quoi. Putain, pourquoi je suis puni? Bref, Une horloge cosmique déréglée? Me fit passer de l'état de physicien à celui de pilote d'essai. Ah putain, il enchaîne. Ah. Bref, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, donc ils ont vu son gamin qu'une seule fois. Gamine. Sa gamine. Il y a des comptes. Alors, dans les infos qu'il a sur lui, il y a le numéro de son avocat ou un truc comme ça?
Enculé. Non. Parce que s'il est en plein divorce, il doit avoir un avocat. Il est pour pas son en plein divorce. Divorce. Enfin, il a divorcé, il a déjà. Ça fait 2 ans qu'il a divorcé au moins. Ça fait 5 ans qu'il habite là, ça fait 2 ans qu'il a divorcé et personne n'a vu sa gamine. Putain, mais. Oh la vache, il faut que. Non, attends, ça me fait bugger, c'est tout. Mais c'est moi qui me fais bugger en fait, le truc, c'est que. Je suis en train. Je dois passer d'un truc à l'autre, alors. Alors, je reprends sa vie, parce qu'il faut que je retrouve sa vie. Alors, c'était où le truc avec sa vie? Bon, moi je vais couper la musique là, parce que. Parce que générique de hooker, quoi, sérieusement. Tu veux qu'on soit concentré, tu mets générique de hooker, quoi. Tac tac tac. Alors, là c'est quoi? C'est. Les cadavres ont été fouillés, oui. Voilà. Brave type, patati patata. Catchy. Il touchait plus d'alcool. Était couvert par ses collègues. Ça, c'est ce Est-ce qu'on que nous j'ai dit, des dates là-dessus? Non, il n'y a pas de date en fait sur les trucs. Pour le coup, ouais, c'est moi qui dois donner les dates en fait. Et les figues? Enfoiré! Ah bah, je suis désolé, mais le générique est défini, j'arrivais maintenant à vous entendre, alors du coup. Ouais, c'est, manger, vrai que, c'est le générique fourbe. Ah bah ouais, j'en ai que dalle, hein, donc du coup. Alors, attends, je vérifie les noms des gens, s'il n'y a pas d'autres trucs. Ça, c'est le scénario suivant. Ça, c'est qui? Non, ça, c'est un truc. Gatipi. Non, j'ai pas plus que ça, ouais, non. Tant pis. Mais comme je dis, les gens te disent peut-être qu'ils ont vu sa fille, mais ça leur a pas laissé un souvenir impérissable, hein, c'est ça en fait. Hein, mais bon. Non, mais j'ai bien compris, ils ont rien à foutre d'un gamin qui est abandonné mais, par un flic. Mais peut-être que la fille, elle sera au courant en fait de sur quoi il travaille. Hein. Sa fille a la quinzaine actuellement. Ouais, mais peut-être qu'elle est curieuse et comme ils sont peut-être très proches. Ou alors elle n'avait strictement rien à foutre parce qu'elle était en pleine rébellion adolescente contre son père, mais bon. Peut-être. Tu regardes donc le côté financier de la mère et de la fille? Moi, ouais. Ouais, bah, bureaucratie sans froid, difficulté 2. Et t'as intérêt de marger. 4C5. Et t'es pas le non, seul à 4C. Le faire. Normalement, je pense qu'il y a, en bureaucratie, 4C7. Ouais, bureaucratie de sang-froid. Et 4C7 et Denis aussi. Avec moi, 3... parce que sinon... 3C6. Quelqu'un qui les envoie, les dés, ou... Bah, vas-y, Max. Pardon? Ah. Excusez-moi. On est obligé, là. Obligé de quoi? Et vous lancez les dés pour... J'ai demandé à Max, mais il le fait pas. Oh là là. Une seconde. C'est bureaucratie, c'est ça? 4C7. C'est pas les dés à toi, c'est ceux de Obi et ceux de Wedge. Tu m'as demandé de lancer, c'est un succès, tant pis pour ta gueule. Ok. Donc pas d'infos. Et il y a un autre. Ça, c'était pour moi. 3C6 pour Wedge. C'est toujours moi qui dois lancer? Ou on est toujours compte des conséquences? Oui. Deux succès. Tu vois? Le substitut autorise à accéder à une partie en fait de la partie financière, pas tout, parce que clairement t'arrives pas à le justifier assez bien pour qu'il te donne les accès à tout. Madeline travaille donc au titre de standardiste dans une société qui s'appelle Clean Street. Elle touche un double salaire, un salaire double par rapport à ce qui est pratiqué pour son poste. Elle vit dans un appartement de bon standing, et on parle de Madeline, je comprends, ouais, c'est ça, bizarre, putain, c'est chelou le truc, comment c'est marqué. Elle vit dans un bon temps de bon standing à Hollywood et sa fille va dans une école privée assez chère à Glendale. Et pourquoi alors j'avais une info sur l'axe? Je ne comprends pas. C'est n'importe quoi, ils ont dû se planter quelque part dans le scénario. Ça arrive. Ouais, non, mais j'essaie de comprendre, parce qu'à un moment il me parlait d'un appart à l'axe, mais... On va rester sur bah, ça.
Moi je te propose, on y va, l'appartement à l'Axe, on sait pas qui y habite, mais on y va, on voit. et comme ça, on je sais même pas si réellement cet appart existe, tu vois, maintenant. Je me pose des questions sur le scénario, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis en train de chercher où c'est que j'ai trouvé cette info, parce que... Je voudrais pas dire les gens, mais je pense que là, carrément, la réalité commence à pas nous... Ah oui, non, mais complètement. Là, on quitte cop si on rentre dans Matrix, faites gaffe. Ah mais c'est le MJ, il a pris des drogues, c'est tout. Hein. Je sais pas, mais moi j'ai déjà du mal à me concentrer de base, mais là je comprends plus rien à ce qui se passe. Quoi. Bah, c'est le MJ ou l'auteur, remarque, tu me diras. Et si on allait à l'Axe, leur demander ou. Non mais laisse tomber l'Axe pour l'instant. Je sens qu'il se passe un truc chelou là. Non parce que la meuf elle a le double de salaire. À l'Axe, en fait, et qu'à un moment il a dû se tromper dans les. Dans les trucs, le gars. Parce que si la meuf, elle a un salaire qui est double par rapport à un poste qu'elle a mis, bon, ça, à mon avis, on peut supposer que c'est promotion canapé ou un truc dans le genre. Et elle a un salaire double par rapport à son poste, qui est pour son poste, normalement. Ça, c'est ce que tu trouves sur ce que Denis a récupéré, et à savoir qu'elle vit actuellement dans un appartement de bon standing à Hollywood, donc un quartier très riche, et sa fille est dans une école privée assez chère à Glendale. Oui, bon, on va aller à Glendale. Le truc t'as pas correct. Et ça veut dire aussi que même avec un salaire double, parce que t'as pas exactement ses comptes, hein, c'est juste des informations que t'as, ouais. T'as une partie des informations sur la fille, t'as pas accès sur la mère, mais t'as pas accès aux comptes de la mère ni de la fille. Hein. Ce qui veut dire que, comment dire, au vu de ce que coûte un appartement à Hollywood et au prix de l'école à Glendale, clairement, il faut qu'elle ait d'autres rentrées d'argent pour pouvoir tenir ce standing. Que même son salaire double. Bon, première suspecte, l'ex-femme, bam! Bah non, parce que si elle avait du fric... C'est pas pour ce qu'elle touchait, hein. Non, non, c'est pas ça, mais si c'était lui la source de revenus, je vois pas pourquoi elle liquiderait. Non, mais c'est pas... on s'en fout, ça. Bon, mais par elle contre, il y a un truc pas clair qu'il faut éclaircir, là. Donc, allez. Donc... Dis. Donc on va y aller, et je serais bien d'avis d'y aller tous ensemble. Tous ensemble, ouais. Ouais, bah en fait, pourquoi on fait pas deux équipes, une la mère, une la fille? Si on fait quatre équipes de 1. Comme ça, elles ont pas le temps de discuter, tu vois. Ça par contre, c'est on les chope par surprise. Sans problème, ouais, ça serait cool de choper la fille à la sortie de l'école, parce que là je suppose qu'on est quoi, on est dans l'après-midi. Là l'enquête, à 10h vous étiez au commissariat, vous finissez à 15h, il doit être à peu près 14h là. 14h, 13-14h. Alors en effet, ça serait sympa de passer une équipe récupérer l'ado ou même l'interroger directement à l'école. Parce que, quitte à ce que. Est-ce qu'elles ont été mises au courant au moins du décès par le commissariat ou pas? Alors ça, c'est pas sûr. Ah non, c'est votre boulot. Putain, on va y aller alors. Oui. Mais je pensais que les collègues avaient fait. Allez, on y va. Avec le sourire. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, mais bon. De toute façon, oui, on va y aller à deux équipes. Une à l'école pour la gamine, une à l'appart à Hollywood pour la... Ah non, le truc de l'Axe, je retrouve pas. J'ai dû peut-être de le lire en passant les pages rapidement sur le scénario d'après. Donc bon, je sais pas. Bizarre. D'accord. Non, il n'y a pas de l'Axe non plus dans le scénario d'après. Je sais pas. C'est un peu laxif, hein, comme... Hein ouais, c'est chelou. Hein. Je sais pas d'où ça... Je comprends pas. Je l'ai lu quelque part, mais j'arrive pas à retrouver où. Mais bon, dites-moi ce que vous faites. Hein. Bah, je te dis, on fait une équipe qui va à l'école pour la gamine et une équipe qui va à l'appartement de l'ex. Mm-hmm. Qui veut s'occuper de l'ex, qui veut s'occuper de la gamine. On prend la fille. Ouais, on prend la fille. C'est dégueulasse, mais bon, je vous laisse faire. Et bah, bon, elle sait qu'elle est mineure. On va aller interroger. Oui, elle est mineure, la fille. Bande de sale. On va commencer par la jeune fille, donc vous arrivez à l'école privée à Glendale, donc le quartier gay. Il y a des vigiles à l'entrée, c'est pourquoi? Bah on montre nos badges, à COPS, ouais. On voudrait parler à une de vos étudiantes.
On a une, hélas, une mauvaise nouvelle à lui annoncer. On voudrait lui annoncer. Attendez là. Vous pouvez préciser exactement. Bah oui. Ça concerne son père qui est des forces de police et qui est décédé dans l'exercice de ses fonctions. Non, il n'était pas dans l'exercice de ses fonctions. Je crois pas. Si, si. Il était en service. Hein. Il était en service. Bon, alors, il est mort en service ce matin. Bah écoutez, attendez, j'appelle la directrice. Ça vous en bouge un coin. Hein. Comme ça, ils vont faire une annonce à l'américaine dans l'école. La petite machin est priée d'aller dans le directeur pour apprendre que son papa est mort, s'il vous plaît. Donc, bah attendez un peu, je vais faire venir la directrice, elle va vous recevoir. Pendant ce temps. Alors, le souci, c'est qu'on va aller à la maison, je pense qu'il va y avoir Denis, personne. Denis, mais... va à la porte arrière de l'école, on sait jamais. Bon, donc Max et Guillermo vont à l'appartement à Hollywood. Donc, clairement, bel appartement. Par contre. Alors, à cette heure-ci, elle travaille peut-être, la mère. Hein, c'est ce que j'allais dire. Pas, mais oui, justement, contre, mais c'est quasiment certain qu'elle travaille. Mais par contre, on va interroger les voisins. Il y a des voisins. Oui, il y a des voisins. Bah, ils travaillent aussi, peut-être. Dans ce cas-là, on va les interroger, savoir si. S'ils savent quand madame. Je sais pas si elle a repris son nom de jeune fille ou pas, rentre. Oh, ils te disent, oh, des fois, elle est souvent là le soir. Vers quelle heure, grosso modo? Oh, à 18h, elle sera rentrée. Enfin, ça dépend des embouteillages. Oui, comme d'habitude, hein, c'est le trafic. Peut-être à 22h ce soir. Ok. Oui, non, mais oui, les embouteillages. Non, oui, non, ça, ça te choque pas. Hein. Non, non, ça me choque pas du tout, je comprends très bien. Bah, tu sais, à Paris, c'est pareil, il y a des fois, donc. Ils savent ce qu'elle fait en fait, cette brave dame. Je crois les standardistes. Mais bon. Les standardistes aux cops, quoi? Non, c'est un ange. Je crois les standardistes, après, exactement, non. S'en fout. Ok, c'est bon. Et sinon, juste comme ça, ils ont pas de. Y a pas eu de trucs ces derniers temps. Pourquoi y a eu un meurtre? Non, on a une mauvaise nouvelle à lui annoncer. Sa fille est morte? Vous connaissez sa fille? Oui, elle est mignonne. Ouais, elle est quand même mineure, mon bon monsieur. Oui, bah, elle est mineure, elle est mignonne, ça change rien. Hein. Mmh. J'ai pas dit que je voulais sortir avec, ni que je voulais la sauter, j'ai juste dit qu'elle était mignonne. Ok, et bon, bah, justement, bah, malheureusement, ça concerne son père. Ah, elle a un père! Moi, je pensais qu'il y avait rien, enfin, je l'ai jamais vu ici, quoi, donc, enfin, je peux pas faire gaffe, mais, voilà. Bah, je pense que vous le verrez encore moins, maintenant. Ouais, enfin, m'en fous. Ok, c'est bien ce que je pensais, donc, voilà, moi aussi. Oui, alors, bah ça, Little Italy, dites-le, vous allez voir, ça va être drôle. Sinon, bah dans ce cas-là, je vais juste prévenir Lynn et Denise que bon, la mère travaille, elle est pas là et que on va l'attendre en fait. Hein. Bah, ouais, juste une question. Demande si elle a des visites régulières. Oui. Genre des hommes un peu riches, etc. Tu vois. Et, exactement quoi. Vas-y Max, t'as l'air de bien connaître le milieu. Non, c'est juste que je dis ce qui m'étonne, mais en même temps, c'est toi qui communique avec lui, c'est pas moi. Oh, c'est moche. Surtout, c'est toi qui cours après les femmes des collègues. Oh, putain. Attends, j'ai coupé le micro, je veux vraiment qu'on parle de ça maintenant. Bah, ouais. Le mec, il est là, bon, moi, je vais vous laisser, hein. Non, par contre, non, mais non, ça serait dommage. Et donc, a-t-elle des rencontres régulière, ça arrive qu'il y a des gens qui passent, des femmes, des hommes, enfin des amis, elle a une vie sociale quoi. D'accord, et excusez-moi, ce concept n'est pas très connu chez les cops. Est-ce que son ex-mari passe de temps en temps récupérer la fille? Ça me dit rien. Non, parce que. Enfin, après, il y a des gens qui passent, peut-être qu'il fait partie des gens qui passent. Bah, est-ce que vous avez vu des gens qui passaient régulièrement qui étaient toujours les mêmes? Oh là, ouais, je tiens pas des registres non plus, hein. Je sais pas, vous avez l'air d'être la commère de l'étage, donc on sait jamais. Ok, il ferme la porte. Oh putain. Oh non. Non, Max. Ouais.
Pardon. Je crois que le joueur est pas très très diplomate ce soir. Ouais, je vois ça, oui. Diplomatique. Oh, putain, t'as fait de la diplomatie à la prussienne, là. Bon. Alors, même avec... Moi, je connaissais au sabre laser. Là, ce que t'as fait, c'était quand même assez... assez malvenu. Bon, on va juste dire à... Aline et Denise qu'on va planquer dans la voiture, on va attendre qu'elle revienne pour lui annoncer la nouvelle. Pour qu'elle revienne. Ok. En espérant qu'il... Ah bah, du coup, enfin, nous, on va peut-être lui... on va peut-être pouvoir dire à la fille avant, hein. Bah, ouais, juste alors, où, voilà. Vous êtes reçu par la directrice. C'est pourquoi exactement ? C'est un établissement respectable. On n'aime pas beaucoup les policiers ici. Oh putain, retire-moi. Ah bah si, ouais, c'est. Mais compte tenu des circonstances, une de vos pensionnaires a malheureusement vécu une tragédie aujourd'hui et nous voudrions lui annoncer, comme c'est notre devoir en tant que force de police. Exactement la tragédie qu'elle a et c'est qui de qui vous parlez? Je sais pas comment elle s'appelle. Machin, Garrison, quoi. Oh, je sais pas, gamine, là. Ouais, chopez-en une, n'importe laquelle. Bon, bah, Allison, Garrison, allez, c'est bon. Hein. Je connais pas. Miss Garrison. Son prénom. Hein? Je sais pas Janice, son prénom. Le prénom ah oui, Janice. Janice Garrison. Vous inquiétez Janice pas Garrison. Que son père est décédé. Donc, vous pouvez lui demander de venir. Écoutez, je suis responsable de l'éducation de cette jeune fille. Elle est ici en pension. Nous allons la prévenir au moment opportun que nous déciderons avec sa mère. Oh putain, je crois que j'ai adoré cette nana. C'est quoi votre nom, madame ? J'ai envie de sortir le nom d'une de mes profs que je déteste, mais je vais prendre le générateur. Oh, si, vas-y. Vas-y, on sait jamais, ça va peut-être arriver à ses oreilles. Non. Bah, ouais. Puis de toute façon, il faut pas garder de la rancune envers tes profs, hein, c'est pas... Hop, tiens, pas grand chose, dans le tu chat. Vois. Laura J. Valorson. Alvorson, voilà. Alors, Madame Alvorson... Mademoiselle. Ça m'étonne ça pas. M'étonne pas. J'en étais sûr, c'était tellement facile. Mais, Qu'est-ce que je voulais dire, mademoiselle, pourrais-je avoir un prospectus de votre établissement, s'il vous plaît? J'ai ma nièce qui serait intéressée par une école comme ça. Okay. Et, tu vois, école, sur le prospectus et les tarifs? Ouais, non, il y a pas les tarifs. Non, y a pas les tarifs. Bah, j'ai quand même peut-être une idée. Enfin, je prends, quoi. Clairement, de toute façon, vu ce que t'as vu de la gueule de l'école en passant dedans et tout, clairement, faut être bien friqué pour pouvoir se payer une école comme ça. Hein. Faut avoir pas mal de... Mmh. Et sinon, est-ce que l'on peut vous poser des problèmes sur mademoiselle Garrison? Non, j'aimerais bien que vous ne posiez pas de problème. Non, des questions. Non, des questions. Vous avez dit des problèmes. Désolé, excusez-moi, c'est... Si vous voulez aussi, monsieur, nous vous donnons des cours de diction de 14h à 16h. Ouais. Non, mais je sais pas, c'est parce que je pose le mot... Bref, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. J'ai pas de chance d'avoir. Vous n'avez pas été dans une bonne école. Ouais, mais j'ai été champion de lutte, donc voilà. Bienvenue à madame, mademoiselle, taisez-vous, vous êtes en train d'insulter un officier de police. Non. Ce qui, aux États-Unis n'est pas illégal. C'est ça. Généralement, ils utilisent d'autres méthodes, alors... comme résistance à arrestation, menace à officier de police, tout ça. Tellement d'autres façons de faire chier quelqu'un. Et où ? Et donc ? Bon, est-ce qu'on peut vous... Je lui dirai, en temps voulu, mais il faut que je voie avec sa mère comment lui annoncer la nouvelle et savoir quand est-ce que sera l'enterrement de son mari, de son ex-mari. Parce que Vous êtes bien au courant de l'éducation de Janice. Et c'est très important. Nous avons, l'éducation des enfants, c'est quelque chose de très important pour nous.
Mais apprendre le décès de son père est aussi quelqu'un de, quelque chose de très important, vous savez. C'est pour ça que nous ne prenons pas la... Y a aucune chance qu'on ait un mandat pour rentrer pour aller lui parler à la meuf, là. Ça va être difficile. Si, 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 clairement, tu peux demander... Enfin, tu peux demander un mandat pour pouvoir, pour pouvoir passer, en fait, les obstacles légaux qui sont devant toi. Mais si tu dois lui parler, tu peux, ouais. Voilà. Maintenant, tu peux aussi essayer. Tu peux aussi le faire un jet d'intimidation ou de répartie pour pouvoir casser la nana. Bon, excusez-nous, mais en fait là aussi, c'est que nous aurions quelques questions à poser à Janice au sujet de son père. Bon, peut-être que là, elle est en cours, je peux comprendre. Mais quand ses cours sont terminés, est-ce que l'on peut faire une rencontre pour pouvoir lui poser quelques questions? Lance-moi un petit jet. C'est idiot. Sur des compétences sociales. Là, ouais, je dirais de la rhétorique pour le coup. Ouais, mais d'accord. Éducation rhétorique. Éducation rhétorique, ça veut faire des 3C9, quoi. Ah oui. Tu peux me le faire aussi en intimidation, hein, ça marche aussi, hein, oui, tu fais voilà, en tapant du poing sur la table. Voilà, madame. C'est de l'intimidation amicale, tu vois ce que je viens de faire quand même. Ouais, vas-y, poli. Donc, amical, donc pas poli. Oui, amical ou poli, quoi, c'est pareil. À peu près pareil. Donc, bah, pas pour lui, ça en fait. Fait du... Vu que c'est de l'intimidation, c'est du 4C6. Quelqu'un peut envoyer 4C6. Pas trop loin, hein. Faut quand même qu'on ait le résultat. Alors, hop, 4C6. Merci mon cher... C'est poli ou amical? Parce que c'est au choix. Hein. 3. Non, c'est poli. 3 succès sur 4C6. Pas mal. Versus 1. Donc clairement, elle dit... Bon, écoutez, je vais me débrouiller. D'ici une heure, il y a une pause. Vous la voyez. Mais je veux être présente pour voir si vous ne la traumatisez pas trop. Ne vous inquiétez pas, j'en ai déjà traumatisé beaucoup plus. Je plaisante. C'est pas bonjour, la phrase à dire. Ne vous inquiétez pas, je suis un tueur à gages. What? Ne vous inquiétez pas, j'en ai... Ça va aller. Pendant ce temps-là, dans un autre univers parallèle... les autres. Je trouve ces voisins vraiment susceptibles. Je connais pas le texte de Sliders, hein, je suis désolé. Mais... Alors qui cherchait en fait, un idée mais d'où cette fantastique connaissance peut-il venir? Un truc comme ça, je crois. On va planquer en voiture et puis on va attendre le retour de la. Ok, bah, de je la vais mère, juste finir alors le truc de l'école et je fais le retour. École, donc vous voyez la gamine. Ouais. À 15 ans. Est-ce qu'elle ressemble à. Il est arrivé quelque chose à papa? Asseyez-vous, mademoiselle, s'il vous plaît. Ouais. Elle s'assoit. Est-ce qu'elle ressemble à son père, c'est ça la question? Non, est-ce que c'est... Ah non. Déjà, dans quelle catégorie on la met? Est-ce que l'école porte un uniforme? Oui, non? Ouais, oui, uniforme. Ouais. Okay. Bon, je pense qu'elle a pas de tatouage, pas de bracelet... Non. Disons que c'est pour la mettre dans une catégorie, tu vois. Clairement, avec l'uniforme, t'arrives pas à la catégoriser. Et du coup, en effet, nous avons le malheur de vous annoncer que votre père est décédé en service ce matin. Bah, elle est triste, hein. Sa réaction, c'est... elle pleure. On va éviter c'était son copain, hein. On va éviter de lui faire un câlin devant l'autre, là, mais bon... Même tout court, hein, c'est assez malvenu. Hein. C'est ça. Faire un câlin à une mineure, après que tu lui annonces un décès, c'est malvenu. Hein, c'est ça. De la part d'un flic. Vous avez votre peine à surmonter et à vivre, je suppose. C'est une nouvelle très triste, j'en conviens, et nous ne voulons pas vous déranger beaucoup plus que ça. Sachez que nous avons des questions à vous poser, et quand vous serez prête à nous en parler, tenez, voici ma carte, et n'hésitez pas à nous rappeler. Elle te dit un peu la voix, c'est quoi les questions? Nous aimerions savoir quelle relation vous aviez avec votre père. C'est mon père. Que vous le voyez souvent. Non, pas souvent. Maintenant, je suis triste, je le verrai plus. Je le verrai plus.
Je le verrai. J'imagine en train de le nez qui coule, les larmes. Oui, on tend un mouchoir, on dit comme ça, tu vois. Par contre, la directrice, juste, mais fumasse à côté. Hein. Mais attends. Tu perturbes l'éducation, on va devoir louper des cours maintenant. Hein. Bah, en même temps, c'est un décès, elle s'attend à quoi l'autre La directrice, si ça continue, je vais lui donner des jours de congé, tu vois, hein, mais bon, bref. Menace mise à part. Donc, on a demandé un nana. Quelles étaient les relations entre votre mère et votre père? Ça va faire mal, ça. Je sais même plus, en gros... elle comprend pas la question. Ils étaient divorcés. Est-ce qu'il y a eu des problèmes pour votre garde? Est-ce que il a essayé de se... Je sais pas. Je veux pas savoir. M'intéresse. Okay. Bon, en gros, non, elle a pas l'air de savoir, hein, clairement. Ouais, je pense que si je lui demande comment sa maman elle fait pour avoir beaucoup d'argent, ça va peut-être pas le faire. Non. C'est pas sûr qu'elle soit au courant en même temps. Ouais. Quel métier fait votre mère, s'il vous plaît? Standardiste. D'accord. Standardiste. Et maintenant, vous pouvez me laisser, je vais retourner dans ma chambre. Oui, allez-y. Pas de problème. Si vous avez quoi que ce soit qui vous fait penser... Enfin, si vous connaissez si vous vous rappelez, si votre père vous a parlé d'une enquête sur laquelle il était, ou quoi que ce soit, qui pourrait nous indiquer s'il lui en voudrait, faites-nous signe, hein. N'hésitez pas. Et à ça, la directrice rajoute à Janice, si ces messieurs de la police vous ont importuné, vous savez, vous pouvez porter plainte. Je connais des gens au SAD. Mais, messieurs, dames. À mon avis, elle connaît Damasque, mais bon, ça va. On a pas trop peur, quoi. Oh, ça, c'est moche. Alors, on a trouvé le frère de... Pas la sœur. La sœur de Damas. Messieurs, je vous dis au revoir. Votre gouverne, on faisait que notre travail. Oui, bien sûr. J'en doute pas. Ouais. Bref. Allez protéger le monde ailleurs en faisant pleurer des jeunes filles. Au revoir, messieurs les officiers. Madame et monsieur. Ouais. Mademoiselle et monsieur. Ça se voit. Oh putain, retiens-moi. Non. Non. Ouais. Non, mais si je fais Denis attaque, tu fais quoi? Je grogne. Pendant ce temps-là, de toute façon, c'est fin de service pour vous en soi. Ouais. On va rejoindre. Donc, on va faire un tennis. Non? À fin de service, moi ça me fait penser au tennis, mais voilà. D'accord. Bon, moi j'aime bien. Pour aller rejoindre nos chers et adorables collègues. Ils sont en train de faire une planque. Parce que vu ce qu'ils coûtent à l'assurance du COPS en vrai d'hôpitaux, oui. C'est sûr, ils sont chers, mais après le reste, non. Laisse-moi penser à te laisser crever la prochaine fois que t'es dans la merde. Bon, vos collègues, font toujours la même chose, hein. Bah oui. Au passage, on attend qu'elle revienne. Du café. Ok. À pied, y a une jeune femme qui rentre dans l'appartement avec des clés. Sûrement la femme. Bah, comme ça, dès qu'elle est rentrée, nous on va sortir. L'appartement explose! Non, je plaisante! Je sors mon arme, je tire dessus, puis après on lui posera des questions. Fais-lui le coup du gob! la voiture! Tu lui fonces dessus, quoi! Bon, vous frappez, donc Madeline, messieurs, oui, que puis-je pour vous? Alors, je sais pas si elle a son nom de jeune fille, donc je sais pas si elle s'appelle toujours Carissa. C'est pas grave, on s'en fout. Bon, alors, madame machin. Il va peut-être changer de nom, putain. On s'en fout. Elle a son nom de jeune fille. Le truc, c'est qu'ils m'ont pas donné le nom de jeune fille. Voilà. Donc, on va l'appeler Machin, en jeune fille. Donc, madame Machin,
madame là parce que vous allez. Alors, excusez-moi. C'est madame McAllister maintenant. Si, ah, d'accord. Je suis madame Sims. Ok. Sims. Madame Sims. Excusez-moi, madame Sims. C'est un petit truc vert, oh, c'est la tête. Ce n'est jamais très facile d'annoncer cela. Juste une parenthèse pour MJ, j'essaie de voir si quand je vais annoncer la nouvelle, les réactions qu'elle a... De base, quand tu commences à annoncer ça, elle pousse un soupir. D'abord. De soulagement ou de... Non, juste un soupir. Donc, nous sommes au... Oui, bah, mon mari est mort. Enfin, mon ex-mari est mort, je suppose. Oui. Oui, bah, me doute bien, deux flics qui viennent ici avec une mine grave, qui retirent entre guillemets leur chapeau et pour m'annoncer quelque chose, bah, c'est qu'il est mort. Voilà. Vous aviez des chapeaux. Non, mais c'est façon de parler. On a retiré le masque quand même pour lui causer. On va pas lui causer derrière. C'est quoi ces deux trucs blancs qui sont en train de me dire que mon mari est mort? Bonjour madame. Nous alors là, c'est même pas vrai, il y en a un qui est un peu plus bronzé que blanc. Non, c'est... on parlait des masques. Ah, pardon. D'abord. Raciste. Excusez mon collègue, il est pas très bien. Si jamais vous avez. Enfin, si vous avez, vous voulez passer au commissariat pour récupérer les effets personnels de. Non. Ouais, techniquement, ils sont divorcés, c'est pas elle, hein, c'est à sa fille. Hein. Oui, je sais, mais c'est plus par rapport à votre fille, en fait. Donc, c'est apparemment les bah, écoutez, personne, hein. Mettez tout ça dans un carton et envoyez-le ici, et je donnerai ça à ma fille. Ok, très bien. Non, mais c'est pas que j'aimais pas Garrison, mais bon, il était flic, hein. On sait comment finissent les flics. Je suis désolé pour vous, hein, mais... J'étais au courant quand je me suis engagé avec lui. D'accord. Et c'est pour ça que vous l'avez quitté ? Non, parce qu'il prenait trop à cœur son boulot et que je lui avais dit d'aller rentrer dans une société militaire, une société privée. Il voulait pas. Oh putain. Oh putain. Désolé. Oh putain, Max, il vient tout pâle, il vient aussi pâle que son masque. Parle pas pour lui, s'il te plaît. Excusez-moi, j'ai pas entendu ta phrase, répète. Sérieusement ou... Non, vraiment en fait. Donc, il a demandé. Bah vas-y, bah, grosso modo, elle a l'air de bien le prendre donc. Bien le prendre, non. C'est pas, elle le prend bien. C'est le prend avec. Fatalisme. Ouais, un peu ça, ouais. Et grosso modo, quand je lui ai demandé, mais ouais, elle nous dit, on sait que tous les flics meurent à la fin, etc. Donc je lui ai dit, c'est pour ça que vous l'avez tiqué, putain. Quitté. La réponse est non, elle voulait qu'il quitte la police pour entrer au moins dans un truc de société privée, de sécurité, parce qu'au moins, il y a moins de risques. Alors que là, il prenait trop à cœur son boulot. C'est ça. Voilà. Bon, je sais pas, oui, mais... Savez, par rapport à une société de sécurité, le travail dans la police. Non, mais je veux pas refaire les discussions que j'ai eues avec lui il y a de ça quelques années. On a décidé de divorcer, ça s'est plutôt bien passé, et voilà, ça s'arrête là. Moi, je le vois quasiment plus, il reste sympathique avec moi, je reste sympathique avec lui, et ça s'arrête là. Ouais, c'était un niveau salamiable, quoi. Juste pour information, si on a besoin de vous recontacter pour n'importe quelle autre raison, pour des signatures de votre fille, etc., on peut vous joindre où exactement ? Bah, ici. Vous avez pas un lieu de travail ou genre chose ? Si, oui, je travaille, je suis standardiste à la société Clean Street. C'est d'ailleurs Garrison qui m'avait trouvé le boulot. Ok. Et l'appart. C'est le détective Garrison qui vous a trouvé l'appartement. Oui, ça fait partie de l'arrangement qu'on a eu, à savoir qu'il payait l'appartement. C'est lui qui a proposé même de payer l'appartement pour moi et sa fille. L'école aussi, je suppose. Ouais, en grande partie, c'est lui. Donc oui, je comprends que ça vous met un peu dans la mouise maintenant.
Oui. Bah, on s'adaptera, hein. Je suppose que de toute façon on fera avec, hein. De toute façon, la société Clean Street est très généreuse avec moi et je pense que j'arriverai à suivre. C'est pas trop un problème. Je peux espérer pour vous. Oh non, elle a pas l'air de s'inquiéter. Hein. Ça a pas l'air du tout de l'inquiéter. Hein. C'est pas une société réputée pour être dans le top 40 de... Ouais, c'est la question que tu lui poses ou tu te demandes c'est quoi comme société? Oui, je lui demande ce que c'est, ce qu'elle fait comme. Ah, c'est une société qui fait, qui s'occupe de nettoyage de d'immeubles, de centres commerciaux dans les quartiers. Après, il faudra faire des jets de bureaucratie éducation si tu veux savoir. Ouais, ouais, pas de soucis. Mais au moins, de toute façon, je vais pas l'emmerder plus que ça. On était juste là pour lui annoncer le truc. Mais ça me paraît space. Hein. Elle travaille dans un truc de nettoyage et elle se paye un appart. Ok. Bon. Moi j'ai une question. Quels sont les endroits qui sont concernés par la. Enfin, qui sont clients de la société? Vite fait, comme ça. Enfin, est-ce qu'il y a un secteur. Est-ce que ça vous regarde? Non, tu. Je me demandais comme ça, je suis pas du coin, du coup je me demandais. Oui, bah, ça vous regarde pas. Bon. Déjà, vous venez m'annoncer la mort de mon ex-mari, et voilà, point, ça s'arrête là. Tout à fait. Je vois pas en quoi l'activité dans cette. Que je vous donnerai le registre client de la société pour laquelle je travaille, ça va pas bien. Non, mais. Après, vous allez le revendre à d'autres. Oh, ça va, je connais les combines foireuses des policiers. Hein. Tu me disais bien que le cop se trempait aussi. De quoi vous parlez? Revendre. Ok. je suppose que c'est le. Non, c'est tout, ferme la porte. Faut vraiment que tu travailles ton côté psychologique. Non, c'est elle qui s'est un peu emballée, hein, pour le oui, coup. Oui, 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 bon. C'est pas trop de la faute de Jouba, hein, pour le coup. Bah, ouais, son histoire de vendre des trucs aux autres... ça c'est juste... Non, ça c'est n'importe quoi. Par contre, on va quand même demander ses revenus, ses ressources, etc. Parce ouais, que... et puis on va enquêter sur cette boîte, bah, parce t'as que pas moi eu je trouve toutes les autos, t'as pas eu toutes les... T'as pas eu toutes les autorisations pour avoir accès à tout. T'as pas accès au compte, t'as certes. Eu juste accès aux revenus. Non, mais maintenant on peut demander au substitut parce qu'on a un faisceau de présomption quand même là. Parce que la nana elle est dans un appart à Hollywood. Sa fille Tu fais ça avant de partir. Parce que là t'as dépassé oui, ton. Non, t'es déjà non, en pause. On fera ça demain. On va juste publier le rapport. Alors vous dites quoi à votre chef? Hippopotame cendrier. Ah, il dit que c'est vachement light comme rapport et qu'il va il hésite à vous virer pour ça. Attendez, chef, ça fait que. Ça fait même pas 24 heures qu'on est sur l'affaire. Non, mais si on veut c'est une mise à pied pour l'équipe. Voilà. Merci, Lee. C'était un rapport de la dernière enquête. Hein. Alors, grosso modo, chef, on va lui dire quoi? On va lui dire qu'apparemment, le flic est mort avec ce qui semblerait être son indique. Ils ont été tués selon la méthode préférée des néo-corléanais. Mais bon, ça c'est juste c'est approuvé. Qu'apparemment c'était un flic, pas dire lambda, mais presque, quoi, qui a eu un petit passage à vide lors de sa séparation, c'est tout. Par contre, il y a un truc. On recherche un attaché case et à mon avis, il y aura peut-être des informations à l'intérieur. Il faudrait qu'on mette la main dessus, c'est plus emmerdant. Il y a peut-être un lien parce que lundi, apparemment, bossait pour la famille Salif Flatchy. Donc, si ça se trouve, c'est peut-être un truc qu'il a voulu liquider. Mais bon, on n'en sait rien non plus. On creuse. Par contre, on aimerait creuser aussi du côté de l'ex-épouse flic. Qui apparemment vit dans un appart. Elle est flic, son ex-épouse ? Non. Non, elle dit qu'elle travaillait dans une société qui s'appellerait Kirstim, un machin de nettoyage, mais vu l'appartement, vu l'endroit, et vu la pension où elle a foutu sa fille, clairement, les deux, elle avec son boulot et le flic, enfin l'ex-flic maintenant, je vois mal financer ça, quoi.
Pour sans moi, compter qu'elle touche apparemment un salaire qui est le double de ce que devrait toucher une secrétaire pour la même... pour le même poste. Pour le même travail, quoi. Ouais. Donc, il y a un truc, il y a quelque chose que je... Ouais. Déjà, société, ces femmes qui sont payées deux fois plus que les hommes, eh ben dis donc, quand même. Alors, ah, c'est je beau, ça. Trompé, hein. c'est pas le elle te dit pas que c'est pas le mari hein, qui paye l'appart. Il te dit juste qu'il a trouvé l'appart. D'accord. Donc, raison de plus. A priori, il aurait trouvé l'appart. Bon, pourquoi pas. Mais si, vu ce qu'il avait comme salaire, il pouvait pas payer. Et franchement, avec le... En tant que secrétaire dans une boîte de... Ok. Non. Avant de s'arrêter de... Bah, de toute façon... Ah non, vous allez me faire... À la limite, avant de partir en pause, vous allez juste me refaire le jet de bureaucratie sans froid pour ce truc-là. La difficulté tout à l'heure était de 2. Là, je la descends d'un point au vu des faits annoncés. Alors, bureaucratie... Et je vous laisse tous le faire, pour le coup. J'attends au minimum la marge, donc ouais, elle est à zéro, mais il faut au moins de marge. En éducation. Hé, hey, ça y est, j'ai zéro. Et c'est sans froid bureaucratie. J'ai réussi, j'ai zéro. 3C6 pour moi. Bah, j'ai fait 2. Faudrait une réussite de 3 en fait, hein, pour avoir toutes les infos. Ah bah si c'est ça, je... Alors, non, dépense un point. Tu peux pas, c'est... la marge de réussite c'est 1, hein. C'est la difficulté, elle est à 1, donc tu peux pas aller au-dessus, au-delà en craquant des points. Bon, ben, il n'y a personne qui a réussi. Ce que vous trouvez aussi, en fait, en plus, c'est bah, le compte de la nana. Et clairement, elle reçoit régulièrement des primes très importantes de la société Clint Street, en plus de son salaire double. Qui lui permet, en fait, de payer l'école, etc. En fait, et... La pension, elle n'en a même pas besoin, en fait. Hein ? La pension, elle n'en a pas besoin, en fait. La pension du mec, non, clairement c'est que dalle. La pension du mec, y a rien. Par contre, la société Clint Street, en gros, lui fait un salaire double et chaque mois lui verse une prime qui est plus importante que presque son salaire en fait. Et ça lui permet d'avoir ce standing en termes de vie. Oula, c'est louche. Tellement louche. Non, ou alors ça veut dire que. Ou alors, elle est allée dans son bureau de son directeur et elle s'est cassé la gueule elle-même et elle fait chanter son directeur. J'ai déjà vu ça. Non, mais sinon, je vois plus le fait que Garrison a découvert un truc sur Clear Street. Il fait en sorte que la boîte engage son ex-femme en la payant grassement pour qu'il se taise et qu'il dénonce pas le truc, quoi. Ouais, il faudrait revoir les dossiers d'enquête de Garrison à l'époque du divorce, quoi. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Le lendemain, on va déjà regarder les dossiers d'enquête, voir s'il n'a pas un rapport avec Clear Street. Dans tous les cas, vous passez le reste de la journée à faire quoi avant le lendemain ? Des recherches sur l'entreprise. Ah, donc t'as bête du travail à la maison ? Non, toi tu vas rentres chez toi, tu vas t'occuper de ta famille, maison, toi. Je vais m'occuper de mon fils. Non mais voilà. Vas-y, qu'il le fasse, comme ça t'auras sa femme plus vite. Non, c'est pas que what? Il y a quelque chose qui me fait bugger dans tout ça. Oh, moi aussi. Non, par contre, comme moi j'ai personne qui m'attend ou quoi que ce soit, je vais peut-être rester tard pour faire des enquêtes, pour essayer d'éplucher les dossiers où a bossé Garrison. Tu t'as toujours pas, hein. T'as toujours pas son dossier. On n'a pas son dossier, donc. Ton dossier arrivera dans 2 jours. Enfin, voilà. Par contre, tu peux enquêter, tu peux te fouiner sur la société Clean Street si t'as envie. Ouais. Mais bah, au moins, je vais au moins faire ça. Bureaucratie, éducation, difficulté 1. Mais sachant que pareil que les autres, plus tu marges, plus t'as d'infos. Eh ben 2. Donc tu marges de 1. Attends, je vais t'aider. Donc tu restes au bureau, travailler avec lui. Ouais. Bon vieux temps. Je l'ai pas aidé encore, mais... Ok, la société s'occupe donc de nettoyage d'immeubles et de centres commerciaux de quartier chic. Elle est tenue par un certain John Carrero. Il y a le G... C'est une... Hop. C'est... je vous le marque, à la limite. John Carrero. Avec non, mais tu vois qu'on... C'est une filiale de Cleanscape, spécialisée dans le mobilier urbain, est tenue par une jeune femme appelée Giovanna Castiglione. Elle a un nom italien, c'est louche. Ouais. Ouais, tout de suite. Moi, je trouve ça vachement raciste comme réaction de ta part, Wedge.
Et ils ont un bureau à Glendale, si besoin est. Moi, je trouve ça louche. Je pense qu'en fait, non, il coûte... ouais, faut vraiment étudier les affaires. On peut ça faire étudier les dossiers qu'il d'enquête qu'il avait ou pas, ou faut attendre le 9. Il va falloir attendre le dossier complet en fait. D'accord. Après, tu peux poser des questions par contre à son partenaire. Des fois, il est au courant de quelque chose. Ouais, mais bon, là, il est un peu tard. Le gars, il est toujours un peu bloqué et compagnie. Donc... Bah, il est arrêté, il a fini son service aussi. Hein. Ouais, c'est bon, il a que ça à foutre de sa soirée. Je lui demanderai demain, ou sinon, si. Je sais comment lui demander, vous me laissez gérer? Alors, deux choses. Les œufs cassés ne comptent pas comme des questions. Ouais. Est-ce que ça implique un forêt de 12 et des dents? Est-ce que ça implique des ecchymoses et du sang? Alors, si je peux me permettre, l'idéal, ça serait quand même de penser à mettre une cagoule pour qu'ils te reconnaissent pas le lendemain, quoi. Et change ta voix. Si c'est sans violence, est-ce qu'il y aura des pinces croco et une batterie? Non, non mais... Est-ce que tu comptes jeter le suspect dans une fosse remplie de babouins? Non. Comment ça, on est des trolls? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Je suis toujours pas convaincu que l'électricité d'usage de torture soit considérée comme non violent. C'est de la violence, la torture. Techniquement, parce que tu fais mal à quelqu'un. Tu vas mettre dans une cage juste à côté d'un babouin et tu vas menacer d'ouvrir la porte. Non, ah voilà, exactement, le truc de l'axe, j'ai retrouvé. En fait, c'est par rapport à la pension qu'il donne à Madine, ce que vous avez eu, en fait, ça permettrait juste de vivre dans un pavillon minable à l'axe. C'est, voilà, okay, c'est, d'accord. C'est le parallèle. D'accord. D'accord. Et le paradoxe, surtout. Ok. Non, moi, en fait, ce que je vais faire, c'est que j'irai peut-être avec lui boire un verre à la mémoire de son collègue, quoi. C'est tout, hein. Ça bien. Non mais c'est pas alors, je te dis tout de suite, hein, d'un point de vue psychologique, dire que tu vas boire un verre pour un gars qui a arrêté l'alcool, hein, franchement, c'est moyen. Hein. Je suis seul et je trouve ça louche. Non mais dis que tu vas boire un milkshake comme ça. Je prends mon tonfa et je frappe le neige. Non. C'est trop loin. Et tu rates de toute façon. Je reste toujours trop loin. Dans tous les cas, bon ben. Bah, alors si ton tonfa dépasse la vitesse de la lumière, tu peux peut-être attaquer le MJ. Ouais. J'ai vu ça dans les Chevaliers du Zodiac. Mais... mon Dieu. Il attaque le MJ. Bah si, le mec il a. avec ses chaînes tibulaires, il passe le machin, il arrive à attaquer le grand pop. Quelque part, le grand pop, c'est le MJ de l'armure du Gémeaux. Donc ça marche. Cette corrélation est chelou. Bon, ça mis à part, faites quoi? On va peut-être dormir aussi parce que. Ouais. Personnellement, je vais aller faire mon petit sport et ensuite. Appeler Murdoch pour lui dire. Je fais du yoga. Pour avoir quelques nouvelles. Bah. Comme ça, je serai tout souple. Les nouvelles, c'est qu'il en a pas. D'accord, pas de nouveau, pas de personnes qui sont venues ou autre, quoi. Ouais, ouais, je vais manger des burritos, mon gargote préféré, puis après, je vais aller pioncer. Ouais, puis du coup, je vais pioncer par la suite, et puis voilà. Je m'occupe de mon môme et puis j'ai pioncé. Ok. Directement le lendemain. Le lendemain, donc vous allez directement au commissariat d'Italie. Au commissariat d'Italie, vous avez un message de votre supérieur qui vous dit que le CWPP vous appellera peut-être pour aider en fait car il manque de personnel. C'est les protections des personnes. Enfin, des témoins. Et qu'il y a eu un problème ces derniers mois dans le personnel et il y a eu une grosse purge. Hein? Donc, il manque d'effectifs. Ils ont bossé avec un mec qui était un connard. C'est en rapport avec un truc qui s'est passé avec Guillermo. Hein. Oui. Oui, je sais. Il a fait quoi, Guillermo?
Il a rien fait. Non, lui rien. C'est l'autre qui m'a vendu et qui s'est barré. Il y a un gars de la protection des témoins qui a vendu. Oui, j'ai oublié ce point. Donc clairement derrière ça, il y a eu un pas mal d'enquêtes du SAD qu'on débuté un peu sur tout le monde. Et il y a plusieurs gars qui ont été plus qu'inquiétés et qui ont été mutés ailleurs. Et ouais, suite à précis. Ça, le truc, c'est que il y a pas mal de postes à pourvoir. Et on a demandé aux cops, et c'est ce qui est marqué en gros, d'assurer des fois des permanences, quand il y a des officiers du CWPP qui sont pas dispo, on va vous demander d'assurer des permanences. Et vous avez un petit message officiel du service de protection des témoins qui vous explique les procédures, le fait qu'on ne pose pas des questions aux gars qu'on garde sur son passé criminel, ni rien. Enfin, voilà. S'il commence à sortir un couteau, même si c'est pour faire un sandwich, j'ai le droit de tirer à vue. Pardon. Pourquoi tirer ? En gros, vous avez tout un petit truc. Bon, je pars du principe que normalement, c'est des trucs que vous connaissez, que vous avez appris à l'académie. Ah bon ? Tout à fait. Et bon. C'est ceux qui l'ont fait, quoi. Ça pour vous passer un 10-18 ce soir. Le type en question de la protection rapprochée, je rêve de lui tomber dessus, de l'attacher ou de le scotcher avec du Chatterton, là, et de le donner comme mannequin d'entraînement à Denis. Ouais, juste pour voir ce que ça fait. Pardon. Ouais. Et tu lui diras avant, voici ton dieu maintenant. Shame. Bref. Alors, chose qu'on n'a pas faite, mais qui se passe la veille quand vous étiez encore au bureau le soir, parce qu'il y en a qui sont restés enquêtés un peu dans la soirée. Exact. Il y a eu une énorme engueulade au bureau à l'Italie. Italie. Entre qui ce qui s'est passé, et vous l'avez vu en fait, exactement. C'est où ? Voilà. Fin de journée. Il y a une équipe de télévision qui est venue à cause de, en fait, du fait que les flics de l'Italie ont commencé un peu à poser des questions un peu partout, à faire bouger tous leurs indices, à foutre un boxon monstrueux dans l'Italie pour trouver les gars qui ont tué leurs potes. Et donc il y a des journalistes qui sont venus au commissariat poser des questions assez insidieuses à tous les flics qu'ils rencontraient dans les couloirs. Alors vous étiez occupé dans votre bureau a priori, donc vous n'avez pas eu le droit aux questions, mais c'était du genre Garrison était payé par la mafia, s'agit-il d'un règlement de compte ? Et au bout de quelques flics énervés, il y a une bonne partie du commissariat qui les a foutus dehors avec un gros coup de pied au cul. Je vote pour. Ouais. Je vote pour une réunion matinale avec tous les flics. À minuit, y a, dans l'audition de minuit ou dans les journaux télévisés, ça a commencé à parler. Et le lendemain, vous avez aussi un mail du lieutenant qui vous... un coup de fil du lieutenant à minuit qui vous a réveillé, qui vous disait que la discrétion absolue, c'était pas votre truc a priori, bande d'incapables. C'est pas voilà. Nous. Oui, mais bon. De ce côté-là, on n'y est strictement rien. Ah ouais, clairement. C'est... Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est médiatisé maintenant. Bon. C'est surtout ça en fait. Merde. Bah, mais ça fait rien, on va ramener. Ouais, mais attends, mais si c'est médiatisé, ça veut dire que le SAD est au courant, ça veut dire que le SAD va envoyer. Non, mais le SAD est au courant, ils sont obligés d'approuver certains trucs que vous faites en fait. Ah, oui, d'accord, ok. Le SAD est au courant que c'est dans vos mains, et le SAD n'attend qu'une seule chose. C'est qu'on vous plantiez. C'est que ça quitte nos mains pour que ça puisse tomber chez eux. Ils vous mettront pas des bâtons dans les roues. Parce que c'est pas leur but, mais ils s'attendent pas à que vous fassiez des étincelles non plus. Hein. On va les niquer, on va résoudre l'enquête au bout de 3 jours, tu vas voir. Ouais. Ouais ou pas. Bref, pas. J'y crois pas du tout, du tout. Du quoi Quoi, c'est pas bien, je rêve éveillé, et alors? Bref. Je reviens dans 5 petites minutes et juste voir faire un tour d'action et puis après je pense qu'on aura fini pour ce soir. A tout de suite. Okay. Action. Si vous avez des idées, partagez-les entre vous aussi. Hein. Non, mais sincèrement je pense que de toute façon, dès que le lieutenant il nous appelle à minuit ou autre, pour nous engueuler, puisque c'est médiatisé. Direct, on appelle le capitaine de l'Italie, on le fait demain matin, dès qu'on arrive, on veut tout vous donner, on veut faire un briefing à vos. Eux
On peut, à mon avis, ça m'a mal être reçu. Hein, mais... Oui, mais au moins, sincèrement, ça va mettre les points sur les i, et sincèrement, vous me laissez parler, je suis pas absolument convaincu que ça ait beaucoup d'effet sur eux. Même si ça a aucun effet. Moi, je serai toi, je laisserai d'abord le Kten parler sur le truc, et après, je lui aurais briefé juste avant pour demander de me passer la parole, et après, tu sors tes arguments. Ouais, quoi, après, je sors mes arguments frappants. Pour éviter de frapper, ça serait mieux quand même. Bon. Oui, c'est sûr. Mais ça serait peut-être pas mal que tu partages tes arguments avant pour qu'on te dise si. Ouais, non, mais moi, mes arguments, c'est clairement que là, ils font de l'obstruction sur notre enquête et que c'est pas du tout professionnel de leur part et qu'ils font ils vont te dire va te faire foutre, on vient de perdre un de nos potes, on veut choper le responsable. Moi, je pense que je pense que une approche qui serait peut-être un peu mieux, c'est de leur dire que. Au lieu de travailler tous dans notre coin, qu'on les laisse travailler, mais qu'ils nous fassent un rapport des infos qu'ils ont. Parce que si nous on a rien, après nous, c'est le SAD qui vient. Et ils vont pas être contents si c'est le SAD qui vient. Alors on peut leur dire aussi un autre truc, qui est que là, chacun fait son enquête dans son coin. Vous avez mis tout le monde en alerte, vous avez prévenu tous vos conseils, tous vos CI et compagnie. Sauf que, première chose, ça fait du bruit, donc vous vous parasitez les uns les autres. Parce que ça fait des parasites entre les différents CI et les différents contacts et les différents machins. Mmh. Ça c'est le premier point. Deuxième point, et là c'est vraiment plus problématique, ça risque de griller... tout le monde auprès de... Ça risque de griller vos contacts, et ça risque de griller au niveau de la mafia, les mettre tous... Enfin, la mafia. Au niveau des responsables, si en plus ils sont vraiment de la mafia, du coup ils le seront encore plus méfiants, qui vont se mettre à être beaucoup plus prudents et sur la défensive, et beaucoup plus compliqués à choper. Yep. Pour le coup, je pense que c'est une déduction qu'on peut les laisser faire, en fait. Ça sert à rien de leur mettre le nez dans le caca à ce point. Moi je suis pas content, mais après. Quand même, hein, ça reste du PNJ qui réfléchit pas forcément bien comme il faut, donc. Jack, les joueurs, c'est rare quand ils le font alors, les PNJ. Ah bon? Oh merde. Non, mais ouais, on va leur mettre le nez dans le caca pour leur montrer que non, pas bien quoi. Moi je suis pas certain. Je suis pas certain qu'il faille les brusquer, tu vois, au contraire, C'est pas les brusquer, c'est leur ouvrir les yeux, leur faire comprendre, quoi. Alors, on peut peut-être se limiter déjà à ça fait du parasite et vous vous empêchez d'avoir les informations les uns les autres, quoi. Oui. Mmh. Et je pense que c'est pas mal de rappeler C'est pour ça que moi, je préférerais leur dire, soyez plus discrets et donnez-nous les informations que vous avez, et c'est tout. Et pas insister sur le fait que vous êtes des branquignols tirez des... Je suis désolé, mais c'est ce que tu dis, hein, c'est ce que vous dites. Vous le dites pas avec des mots, mais c'est exactement la même chose. Hein. Vous leur dites, vous faites pas bien votre travail, parce que vous travaillez tous en même temps. Moi, je leur dis, vous travaillez tous en même temps, mais donnez-nous les infos. Et après, ça va peut-être les calmer. Voilà. Moi, je suis pas sûr que ce soit une meilleure idée, parce que là, ça fait vraiment, donnez-nous le pouvoir, donnez-nous la connaissance. Mais le pouvoir et la connaissance, c'est nous qui l'avons. On a le droit de la faire, cette enquête. C'est à nous qu'on a donné. C'est pas à eux. Oui, c'est ça le truc. Sauf que c'est un de leurs potes qui a été buté, donc leur idée, c'est... Mais c'est pour ça que je leur dis. C'est pour ça que je leur dis continuer. Je leur dis pas arrêter. Parce que arrêter, ça sert à rien, ils le feront pas. Donc oui. Autant qu'ils nous aident, nous, parce que nous, on pourra le centrer, les infos. Nous, on est payé pour le faire, quoi. Et surtout, nous, on a le temps de le faire, quoi. Eux, ils voudront, eux, régler le problème. Parce qu'ils vont pas laisser des étrangers faire le travail à leur place. Eh ben oui, mais on peut leur dire aussi que quand on aura chopé le gars, on le laissera intervenir, eux. Clairement, si c'est le SAD qui vient, ils vont avoir que dalle de l'enquête, hein. Ça, je sais. C'est pas moi qu'il faut comprendre. Voilà. Ça sert à rien de t'énerver, mais... Je suis pas énervé, là. Vous avez un briefing avec le capitaine, savoir si vous avez besoin de quelque chose pour la journée, comment vous voulez procéder. En fait, ce qu'on voulait dire, c'est qu'après
Après le coup de fil d'Iron Man, en fait, et le fait que ça ait été médiatisé et compagnie, on lui demande justement de faire un briefing avec tous les flics de son service, quoi. Enfin, ceux qui sont de service. Alors, oui et non. Comment ça, oui et non? Alors, je sais pas vos ordres. Capitaine ici, donc vous me dites pas, vous devez faire un briefing, vous me dites ce que vous voulez que je leur dise, et je sais moi qui déciderai s'il y a besoin d'un briefing ou pas. Bah... Oui, non, mais c'est, voilà, je vais vous le remplacer. Ce sont des officiers de police, vous êtes au même niveau qu'eux, sauf que vous enquêtez sur eux. Je reste leur supérieur, et s'il y a quelque chose à leur dire, c'est moi qui leur dirai, et je verrai par rapport à ce que vous voulez que je leur dise. Bah, il y a hors de question que vous me foutez le boxon dans mon service en leur gueulant dessus, je ne sais pas quoi. On va pas leur gueuler dessus, on va juste leur dire de se calmer un peu, d'être un peu plus discret. Ok, non, vous leur dites rien. C'est ça que vous ne comprenez pas. Vous me dites ce que vous voulez que je leur dise. C'est bon, je vais vous le dire ce que vous allez leur dire. On veut qu'ils soient plus discrets et qu'ils nous rapportent les informations qu'ils ont. Point barre. Ok. C'est ça, vous êtes d'accord? Parce que si on échoue dans une semaine, c'est le SAD qui revient. Et là, ça sera pas la même. Ok. Est-ce que vous avez quelque chose à leur donner ou quelque chose pour les calmer? Parce que clairement, ils sont remontés et je vais pas dire que s'ils croisent des néo-corlélanais, ils vont tirer à vue. Mais donc, s'il y a des provocations, il y a de fortes chances que ça finisse en bain de sang. Moi, justement, aujourd'hui, je vais leur faire un briefing ce matin sur ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut, est-ce que vous avez quelque chose qui pourrait les calmer? Est-ce que vous pensez que le service est impliqué ou est-ce qu'il est disculpé ou pas du tout? Je sais que c'est demandé beaucoup pour l'enquête, mais actuellement, on n'est même pas à 24 heures d'enquête. Si vous avez des certitudes qui pourraient les apaiser, moi ça m'arrange. Si vous en avez pas, tant pis, je ferai ça. On va pas leur donner une de nos pistes. On va pas leur donner une de nos pistes. Si t'as une piste qui concerne le commissariat qui est abandonné parce que c'est sûr qu'il n'y a rien. Clairement, on peut dire qu'on a trouvé aucune trace d'activité financière louche sur les comptes de l'officier de police décédé. Ce qui laisse penser que le mec est pas époux. On n'a pas encore tout vérifié, ça, mais. Il a pas l'air pour l'instant pourri, mais si vous avez pas de certitude totale, parce que là c'est juste un élément, vous m'avez dit, donc ouais, je vais le garder sous silence. Ça va juste les amener à se dire que on lui a tendu un piège, je sais pas quoi. De toute façon, à l'heure actuelle, on est, on. Je suis pas certain. Qui prouve que ça serait. Que ça a à voir avec le service. Ok. Je suis pas certain que ce soit lui qui soit visé en fait. Ouais. Pour le moment, le service n'a rien à voir avec l'histoire. Ouais, pour mais le moment. Vous ne l'avez pas disculpé non plus. En soi. Voilà. L'enquête du interne ne dit pas que le service n'est pas ripou, et l'enquête interne ne dit pas que c'est parce qu'il aurait trompé avec quelque chose, avec un collègue ou je sais pas quoi. Enfin, j'en sais rien. Mais en gros, il y a rien, vous avez rien là-dessus, mais vous avez pas non plus une absence de, vous avez pas de certitude, quoi. C'est ça. Ok, bon bah, je ferai avec. Je leur dirai de faire transiter les informations qu'ils ont c'est McAllister, je sais même plus de nom. Ouais, McAllister. À son ancien collègue qui viendra vers vous parce que a priori c'est le seul que j'ai pu remarquer qui vous donnait des infos hier. Ouais. Donc, vu qu'il collabore lui activement avec vous, je dirais que c'est lui c'est sur lui. En plus, comme c'est son coéquipier, ça passera bien. Ok, ça va. C'est bizarre comme bruit, ça. Hein? Non, c'était un bruit bizarre, mais c'est pas plus bizarre qu'autre chose. Ok. Bref. Bon. Ensuite, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Dans l'espace. Ouais. Bah ouais, hein. Ouais, hein. C'est vaste. Bah y'a Major Tom qui est dans l'espace. Bref. Bah non, c'est tout, hein. Je sais pas, moi. Ouais, c'est tout. Y'a le rapport du légiste qui est posé sur le bureau. Et... On s'est confirmé qu'il a été... Alors,
Le rapport du légiste et du labo. Sous les ongles de Giovanni machin, le Toubib a découvert une substance noire type cuir que Giovanni a dû serrer fortement, l'objet qui le compose. Le taché caisse. Ses ongles s'incrustent dedans. L'attaché caisse. Peut-être pour s'en servir pour se protéger, ce qui expliquerait la crispation forcenée sous l'effet du stress et le dépôt de cuir sous les ongles. Le légiste date la mort entre 8h15 et 8h45. L'autre hypothèse, ça serait qu'il venait du fucking Blue Boy en tenue et qui a été changé après. Mais bon. Le labo n'a pas trouvé d'éléments étrangers à la scène. Les seules empreintes sont celles des victimes. Pas d'autres traces. La substance retrouvée sous les ongles de Giovanni est un similicure souvent utilisé pour de la maroquinerie bas de gamme, dans les sacs, valises et attachés-caisses. Il aurait serré l'attaché-caisse. Bah, pas essayer de s'en servir comme bouclier, mais pas très efficace, quoi. Non, c'est pas logique. Hein. Non, il s'est accroché à ça avant de crever. Il voulait les cacher, peut-être, ou l'empêcher de le récupérer. Parce que la mort a pas été instantanée, si. Du coup. C'est Giovanni, c'est celui qui est à gauche dans l'image. C'est un coup dans la poitrine, quoi. C'est un trou traversant. Bah ouais, vu la trace de sang qu'il y a dans le mur. De sang dans le mur. Waouh. On a un peu plus de précision sur la balistique. Oui, mais alors c'est con parce que c'est un fusil à pompe, fusil de chasse à canon scié. Ouais. Depuis l'entrée. Pas plus que ce que vous avez déjà. Ouais, mais c'est... Lui, il a eu le temps de voir l'assassin, en fait, mais... Sauf qu'il peut plus parler. Merci. Non, mais en fait j'essaie de comprendre... Canada, hein, j'essaie de comprendre la scène, en fait, parce que... Le mec se fait buter par surprise, le flic, ok. Le deuxième... Clairement, c'était l'attaché-caisse qui était visé. Donc on n'a pas... A priori, le flic était peut-être pas dans l'histoire, en fait. Hein. C'était juste une cible collatérale, et en fait, y a rien, c'est pas à lui qu'il faut qu'on s'intéresse, c'est à l'autre, quoi. Ouais, et c'est peut-être par lui, justement, qu'on va c'est peut-être par des pistes venant des suspicions qu'on a sur lui qui vont nous mener à l'attaché caisse. Ben, moi, pour l'instant, ce que j'imagine, c'est que l'indic lui a dit j'ai besoin de toi, rendez-vous, tac, maintenant, de suite, tout de suite, j'ai des infos. Et puis voilà, le mec il était peut-être même pas au courant, il savait juste qu'il allait avoir des trucs intéressants, il pouvait être au courant de rien du tout, ou il pouvait être au courant d'un gros coup, et il s'est fait buter, ils se sont fait buter tous les deux, Voilà. Mais du coup ça veut dire que le mec il a eu le temps de voir son assassin, il a protégé son attaché-caisse, ou il l'a mis devant soi, ou alors il a essayé de s'agripper dessus pour que personne le vole. Et genre mourir avec le en étant tellement crispé que... Ouais. Se retarder quelqu'un pour prendre le truc, quoi. Mais c'est un peu tac, hein. Peut-être ce qui se tient. Parce que du coup, s'il avait pas eu le temps de le voir, l'assassin, le gars avec l'attaché-caisse, s'il avait retenu aussi fort l'attaché-caisse, c'était que c'était le flic qui voulait lui voler. Ou lui prendre. Mais du coup, cette hypothèse tient pas le coup, parce que lui, il a vu l'assassin, le deuxième. Donc ça peut être toujours le flic, comme ça peut être, il voulait le protéger de l'assassin. Tada! Je ne vois pas d'autre explication. Forcément une autre. Le petit fait un headshot et puis ça résoudra le problème. Ouais, mais sinon, à propos de cette histoire de que la vie est plus safe dans les agences de sécurité privées, je suis désolé, mais au WP88, l'agent de sécurité, il a eu aucune chance, hein. Donc, hein. Il s'est fait fumer, mais en beauté, quoi, hein, donc... c'est un argument qui peut porter, ça. Ouais, il était pas là, lui, pour le WP88, mais on peut lui donner une copie du rapport, hein. Ouais, pas de problème, hein. Bon, par contre, je vais vous laisser parce que là, il faut jamais me chuter. Donc, et c'est sur ça que, bah, de toute façon, on va s'arrêter. Oui, on va s'arrêter là. Mais bon, cette enquête promet, je le sens. Ah ouais, elle promet tellement. Je ne dirais qu'une seule chose, pensez à aller trouver des gens qui s'y connaissent en mafia parce que vous avez des noms, mais pas plus, quoi. Voilà.
Bon, à l'Italie d'Ali, on en a avoir au million d'experts en mafia italienne. Oui, mais qui parle aux flics? Oui, c'est plus... Bah, des flics. Oui, oui. Bah après, je pense qu'il faudra faire le tour des indices de l'ancien flic, en fait. Mmh, il y a de grandes chances. Ça, c'est le lendemain, de toute façon. On n'a pas dit que vous ayez les noms de ces indices. Ok. Bah, on va bien trouver un agenda, une connerie dans le genre. Bah, pour le coup, non. Son téléphone. C'est déjà fait. Son téléphone. Sinon, on va attendre que quelqu'un appelle. On va essayer de voir avec le collègue, quoi. Mais... Bon, j'arrête l'enregistrement. Ah ouais. Yep. Yep. Hey, salut les gens. Bonne journée, bonne matinée, bon.